Mais tout d'abord, je tiens à dire au général François Lecointe que nous sommes très honorés de sa présence et nous sommes heureux. C'est un grand plaisir de pouvoir discuter avec lui de questions qui nous tiennent particulièrement à cœur sur la question de l'armée. Et je dirais d'ailleurs, juste pour information, vous venez d'être nommé, si je ne me trompe pas, grand chancelier de la Légion d'honneur, c'est bien ça? Oui. Bien. Alors, alors, je me suis juste pour introduire, puisque André Thiéblemont va vous présenter, chargé de vous présenter le général Lecointe, qui pourra réagir à cette présentation. Mais je me suis replongé rapidement dans ce que nous avions travaillé à Politique Autrement. Et j'ai retrouvé que, alors la dernière conférence sur ce thème date de 2021 avec Thomas Gomard et ça s'appelait Retour des conflits et guerre invisible. On a fait une conférence ici avec lui. Et quand je remonte plus loin, 2019, Armée et Société, avec Hervé Pierre, que vous connaissez bien, André Thiéblemont, Bénédicte Chéron, Isabelle Lasserre, 2016, quel atout et quelle ressource de l'armée dans la société démocratique aujourd'hui. 2013, déjà, on posait la question, où va l'armée française? Et 2009, regard croisé, armée et société, commandement, management et autorité. Donc finalement, Politique Autrement, juste en quelques mots, s'intéresse depuis un certain nombre d'années à cette question de l'armée, je dirais, en liaison avec la société. Et il se trouve que vous avez fondé une revue, Inflexion, dont vous pouvez trouver des numéros qui sont sur la table derrière, qui précisément, on a été heureux de retrouver ce souci, puisque est indiqué, la revue Inflexion entend précisément croiser des regards civils et militaires sur les grandes questions de notre temps. Et ça, je dirais qu'on essaie à notre mesure, j'allais dire, de faire un peu la même chose. Voilà, et je trouve en particulier qu'il y a une forme d'expression des militaires dans cette revue que personnellement je ne suis pas le seul à trouver assez remarquable, en dehors de toute polémique, parce qu'elle permet d'avoir une vision, j'allais dire, excusez-moi, non fantasmée de l'armée. Parce que je pense qu'il y a tout un imaginaire qui existe et Politique Autrement, à sa mesure, essaie de mettre en question ces clichés qui existent au sein de la société, qui sont généralement très dévalorisants par rapport à l'armée. On aura l'occasion d'en parler. Alors, André Thiéblemont va vous présenter. Je vous présente André, vous le connaissez, ça fait longtemps qu'il travaille à Politique Autrement avec nous. C'est un ancien officier militaire de carrière ayant servi dans la Légion étrangère, qui a travaillé au sein d'un cabinet ministériel. Il est diplômé à Sciences Po, il a écrit de nombreux articles dans la revue précisément Inflexion et un livre que je vous conseille qui s'appelle Culture et logique militaire. C'est un des grands ethnologues, on va dire, du militaire. André, tu as la parole pour présenter le général François Lecointe. Mais alors lequel est bon? C'est celui-là? Oui. Pour la balise. Merci Jean-Pierre. Ben, d'abord, c'est un grand plaisir, une grande joie de retrouver Politique Autrement, cette arène et cette assemblée étant excentrée dans la belle Camargue. Et puis, mon général, cher François, c'est vraiment, vous le savez d'ailleurs, c'est une grande joie de contribuer à votre accueil ici à Politique Autrement, aux côtés de son vaillant président, la vaillance, Jean-Pierre Le Goff. Alors, il me revient de vous exposer votre parcours. Mais nous avons estimé avec Jean-Pierre qu'il serait difficile de prendre la mesure du défi auquel vous avez été confronté en tant que chef d'état-major des armées, sans que préalablement soient évoqués les contextes politico-militaires de ces dernières décennies qui ont fortement pesé sur le devenir des armées. Alors je vais ouvrir sur la décennie 80 et sur une culture pacifiste avec laquelle vous n'étiez pas d'accord, et sur une culture pacifiste qui commence à subtilement se répandre parmi les élites politiques et militaires. La guerre, c'est sale. La guerre, c'est alors perçue par beaucoup comme une barbarie. La doctrine française de dissuasion nucléaire appliquée depuis les décennies 70 est censée prohiber la violence extrême, mais elle entretient, elle cultive la paix. Elle fait de l'armée de terre une armée de non-emploi. Et puis voilà, François Mitterrand accède à la présidence et
la politique militaire, sa politique militaire, est d'entrée de jeu, confrontée à une double exigence. La première, c'est sa politique africaine, auquel il est fortement attaché. Et la seconde, c'est le soutien actif de l'application de la charte des États-Unis, je cite, au service de la paix et de la stabilité du monde. Or, la pensée socialiste n'avait pas d'autre référence doctrinale que le pacifisme armé de Jean Jaurès. Dans l'armée nouvelle, Jaurès proposait la mobilisation d'une masse armée comme grande méthode de défense totale. Grande méthode de défense totale. Par laquelle une promesse d'universelle paix entrera dans la brutalité des choses. Alors, une sorte de collusion se serait sans doute opérée dans la pensée socialiste entre ces deux masses censées dissuader l'agresseur, d'une part la masse des citoyens et d'autre part la masse de l'atome. Et de cette pensée, il émergera donc une conception pacifique de l'emploi de la force armée, dont l'engagement et la présence seront censés dissuader l'agresseur. Et voilà que surgit l'emblème de cette conception, le soldat de la paix. Le soldat de la paix, parangon de la paix, dont la seule présence au milieu de la violence déchaînée est censée de facto introduire de la paix dans la brutalité des choses. En octobre 83, dans Beyrouth, plusieurs dizaines de soldats, plusieurs dizaines d'appelés parachutistes sont ainsi sacrifiés sur l'autel de la paix, victimes d'une attaque au camion piégé. Et c'est dans ce contexte d'une armée qui se veut pacifique et s'entraîne pour ne pas être employée qu'un an plus tard, en octobre 84, François Lecointre, c'est Pékin, hein, et François Lecointre, François Lecointre entre à Saint-Cyr. En 88, 4 mois après l'école d'application, ayant choisi l'infanterie de marine, l'arme de l'aventure au-delà des mers, il rejoint le 3e régiment d'infanterie de marine, après lui le plus beau régiment de France. Le 3e régiment d'infanterie de marine. Et au début des années 90, il participe à la première guerre du Golfe et il escadronne comme chef de section dans le désert d'Arabie. Nous voici en 90. Et la pensée politique communautaire est alors plus ou moins subvertie par un engrenage idéologique qui fait de la paix une finalité. L'école d'infanterie à Montpellier, sur ses murs d'enceinte, en majesté, paix et tradition. Paix et tradition. On ne sait pas. Le mot combat ne fait plus partie du discours officiel. La posture de négociation est considérée comme une nouvelle compétence opérationnelle et elle devient un substitut au recours à la force. Mieux vaut négocier que combattre. C'est cette logique de paix et cette posture de négociation qui dominera l'engagement des casques bleus en Bosnie de 92 à 95. Le lieutenant Lecointre, le capitaine Lecointre, a pris le commandement d'une compagnie au 3e régiment d'infanterie de marine. Et il est engagé successivement dans l'opération turquoise au Rwanda et puis, en mai 95, à Sarajevo. Au sein de l'un des bataillons français de la Force Prenue, un bataillon commandé par le colonel Sandal. Le colonel Sandal dont jamais vous avez entendu parler. Le colonel Sandal. À Sarajevo, les casques bleus de la Force Prenue sont imbriqués dans les lignes des belligérants. Ce sont des otages potentiels. Ceci est dénoncé par plusieurs chefs de bataillon. Ce sont des otages potentiels. Et en effet, dans la nuit du 25 au 26 mai 95, plusieurs centaines de casques bleus sont capturés par les Serbes. Et dans la nuit du 26 au 27, le capitaine Lecointre constate que l'un de ses postes, un des postes de sa compagnie, a été investi par les Serbes. Ouais, il revient dardard au PC du bataillon. On connaît. Le PC de Verbeia est pris. Il faut le reprendre. Rejetant cette logique de paix, cette logique de renoncement, cette logique de négociation qui les englue, le colonel Sandal, son chef opération et le capitaine Lecointre mettent en route la machine tactique. Sans ordre, sur leur propre initiative,
Le poste est repris au prix de 2 tués et 17 blessés. Ce combat aura un énorme retentissement symbolique en Bosnie et en France. Et les traces de cette culture de paix vont persister malgré tout jusqu'au début du XXIe siècle. Au début de l'engagement en Afghanistan en 2002 ou 2003, il s'agissait à l'époque de stabiliser le pays, de conduire la paix. On est encore dans cette logique, de conduire la paix. Et en 2008, à Ujbin, une reconnaissance d'un col conduite en dépit des principes tactiques qui pouvaient assurer la cohérence et la sûreté d'une unité en mouvement, cette reconnaissance se heurte à un fort parti taliban, 10 morts, 21 blessés. Bravo. Ce fut le choc, c'est le choc. L'armée de terre, enfin, redécouvre le combat. Et il est probable que cette culture de paix qui effaçait tout horizon guerrier a favorisé pour la suite un dépouillement progressif des armées. Cette culture de paix aurait favorisé un dépouillement progressif des armées. C'est ce qui paraît plus ou moins transparaître dans un article que vous publiez en 2012 dans la revue Inflexion. Vous intitulez cet article « De la fin de la guerre à la fin de l'armée ». De la fin de la guerre à la fin de l'armée. Il vous fait état de l'évaporation, l'expression de l'évaporation de l'échéance guerrière. Vous brossez, d'ailleurs, vous légitimez plus ou moins, les réformes survenues depuis la fin du siècle. Mais vous notez qu'elles ont transformé une armée capable de livrer bataille, en simple outil militaire. Et vous vous interrogez sur la compatibilité de cet outil avec la résurgence d'une menace majeure. Résurgence d'une menace majeure. De 96-2012, depuis la Bosnie, mon général, vous êtes entré dans le couloir qui mène aux étoiles. Après l'école de guerre en 2001, vous avez pris en 2005 le commandement de votre régiment, le 3e RIMA, 3e régiment d'infanterie de marine, avec lequel vous avez été engagé en Côte d'Ivoire. Et puis après avoir usé vos pantalons sur les bancs des HEDN, c'est l'alcôve des futurs généraux. Vous êtes nommé général de brigade en 2011 à 49 ans, et vous avez confié alors le commandement de la 9e brigade d'infanterie de marine. 96-2012. Vous venez donc de traverser une quinzaine d'années au cours desquelles vous avez pu vivre ces radicales transformations des armées qui, comme vous l'avez écrit, sont restées inaperçues des Français. Les Français n'ont pas du tout été au courant des résultats et des effets de ces transformations des armées, tout particulièrement celle de l'armée de terre, prise dans l'effet de ciseaux entre la réduction bien connue de ses moyens budgétaires et une demande politique d'intervention extérieure de plus en plus croissante et par ailleurs très parcellisée, l'armée de terre abandonne son organisation pyramidale traditionnelle au début des années 2000, cette organisation que les plus anciens d'entre vous ont connue et que vos parents ont connue. Cette organisation articulait le combat à partir de divisions, de brigades, de régiments, qui intégrait sous un commandement unique différents domaines d'action qui concourent au combat. Le combat, la logistique, l'administration, le bien-vivre du soldat. Et le niveau de la division, qui englobait tout ça, fut supprimé. Dans la nouvelle organisation, ces domaines d'action sont dissociés des ensembles organiques, selon une logique fonctionnelle. Et ils sont regroupés dans des sortes de réservoirs de briques capacitaires, pour citer le général Lecointe, dans des réservoirs de briques capacitaires, à partir desquels, et en fonction de la nature de l'engagement, des modules sont extraits de ces réservoirs et sont associés selon des combinaisons variables, comme une gestion de projet dans une entreprise en permanence, à partir d'une organisation fonctionnelle. Une logique fonctionnelle, donc de rentabilité, se substituait à la logique opérationnelle organique. La RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, engagée en 2008, va amplifier le mouvement. Et pour réduire les coûts de fonctionnement, de nouvelles réductions d'effectifs vont être introduites. Et tout ça s'accompagnera d'un processus de mutualisation des moyens administratifs, techniques ou de soutien des régiments, bâtiments de la marine, comme pour l'hôpital, comme pour l'éducation nationale, et on en a parlé ici à une certaine époque. Ces moyens seront regroupés dans des bases de défense interarmées. Et pour sortir au régiment, désormais, son patron de chef de corps, c'est un roi nu. Ses attributions sont resserrées sur l'outil de combat, et pour le reste,
qu'il s'agisse de la gestion des personnels, de l'administration, du bien-vivre du soldat, c'est vachement important, la restauration et tout, il est dépendant des bases de défense interarmées. Bien plus, s'agissant de son unité de combat, et là je ne vais pas rentrer dans le détail de l'organisation, il n'en a pas la totalité du commandement. Un chef de corps n'a pas la totalité du commandement de son outil, du moins au combat. Il est devenu, le régiment est devenu lui aussi une réserve de ressources d'unités combattantes, des brides capacitaires. Et de la sorte, retenons que depuis les années 80, il est peu ou pas de chef de corps qui ait commandé l'ensemble de son régiment, ne serait-ce qu'en exercice ou en manœuvre. Nous étions en 2011. Le général Lecointe quitte le commandement de la 9e BIMA, la brigade d'infanterie de marine, en 2013 pour, à la suite de l'opération Serval au Mali, prendre les responsabilités d'une mission européenne de formation. Mission européenne de formation auprès des forces maliennes. Il est général de division en 2015. À 53 ans, vous êtes nommé directeur du cabinet militaire du Premier ministre l'année suivante, et vous servirez successivement Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Édouard Fini. Et puis vous voilà général de corps d'armée en 2007, et la même année, vous succédez au général de Villiers comme chef d'état-major des armées. Et puis depuis 8 jours, général Lecointe est depuis le début de la semaine grand chancelier de la Légion d'honneur. C'est vraiment, attends, je déconne pas, mais c'est le plus beau parcours dont un officier puisse rêver. Hein. Plus beau parcours. Alors j'en viens à l'ensemble des questions à partir de laquelle vous pourrez revenir sur mon propos. En 2018, devant la commission de défense de l'Assemblée nationale, vous avez portant un regard sévère sur ces réformes qui ont affaibli nos armées, vous avez mis en question cette approche fonctionnelle de l'organisation militaire, une approche sans égard pour la singularité de fonctionnement des armées. Singularité de fonctionnement des armées, une expression qui renvoie à une notion qui vous est chère, la singularité militaire. Et donc, mon général, pouvez-vous développer ce que vous entendez par singularité militaire, premièrement? En quoi cette singularité a-t-elle été dégradée parce qu'il est advenu aux armées au cours de ces dernières décennies? Et puis, par suite, ça s'enchaîne. Quelle transformation de l'armée avez-vous pu engager, malgré les obstacles qui étaient devant vous? Quelle transformation avez-vous pu engager et quelles sont celles qui sont en cours, et notamment dans la perspective d'un engagement de haute intensité? Bien. Au colonel Chandré, monsieur le professeur. D'abord, je suis très heureux de venir, de non pas de ma lointaine Camargue, mais de mon lointain Béarn, passer ces quelques heures avec vous, pour effectivement répondre à ces questions et développer ce thème qui me paraît essentiel de la singularité militaire. Quand on parle de la singularité militaire, il faut d'abord la définir. La singularité militaire, elle est définie par la finalité de l'emploi des armées. À quoi servent les armées ? Les armées, ça paraît évident comme ça, même si André Thiéblemont a longuement développé les raisons pour lesquelles on a oublié cela, les armées sont faites pour faire la guerre, éventuellement, et pour s'y préparer comme si elles devaient advenir demain. Faire la guerre, c'est-à-dire, j'en reprends la définition qu'en avait fait Gaston Boutoul dans son traité de polémologie. C'est un affrontement sanglant entre groupements organisés. Voilà ce que c'est que la guerre. Un affrontement sanglant entre groupements organisés. Je me souviens d'avoir dû, quand j'étais colonel, aller dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne parler de la guerre. Et quand j'ai dit affrontement sanglant entre groupements organisés, et que j'ai insisté sur le sanglant, j'ai senti une sorte d'effroi parmi les gens qui me regardaient. Mais parce que la réalité, c'est cela. C'est une confrontation qui se termine, ou qui induit, ou qui comporte le sang, c'est-à-dire, et j'y reviendrai, le fait qu'on accepte de recevoir la mort,
mais qu'on accepte surtout, et c'est ce qui est absolument central, de donner la mort sur ordre. Une armée est faite pour mettre en œuvre la force, la violence maîtrisée, jusqu'à donner la mort, de manière délibérée. C'est à cela que sert une armée. Alors, ça peut choquer les gens, ça les choquait quand je le disais, quand j'étais colonel et jeune officier général. Je pense qu'aujourd'hui, il faut encore le rappeler, parce que les gens se cachent toujours derrière l'idée que l'armée est là pour défendre la nation. Oui, bien sûr, il s'agit de défendre la nation. Il s'agit de défendre la nation, de défendre ses intérêts, de promouvoir sa vision, de conserver et de préserver ses valeurs. Mais le moyen de le faire, c'est en donnant la mort sur ordre, de manière délibérée. Alors vous comprenez bien que ce recours à la force, qui d'ailleurs est structurant dans nos sociétés indo-européennes, c'est Dumézil qui écrit ça dans l'idéologie tripartite des indo-européens. Il explique comment dans ces sociétés indo-européennes, on va structurer les sociétés autour des trois ordres qu'on retrouve ensuite dans l'ordre médiéval. C'est-à-dire que cette spécialisation des tâches entre ceux qui font la guerre, ceux qui produisent de la richesse et ceux qui sont en relation avec Dieu et qui essayent de comprendre et de déchiffrer les mystères est vraiment ce qui va servir d'organisation réellement de la société. Et qu'il ne peut y avoir d'oratores, de gens qui prient, il ne peut y avoir de laboratores, de gens qui travaillent et qui vont produire de la richesse pour le plus grand profit de la communauté, que s'il y a un groupe humain qui se consacre à la mise en œuvre de la force et qui ainsi dédouane tous les autres du groupe de cette obligation qui leur serait faite de mettre en œuvre la force pour se protéger eux-mêmes et leur permettant ainsi de se consacrer à la production de richesse. C'est ce qu'on retrouve dans les trois ordres, oratores, bellatores, laboratores, qui structure ensuite complètement nos sociétés, qu'on retrouve à l'époque médiévale et qu'on retrouve d'ailleurs au moment de la société de la Révolution française avec un sujet que je ne vais pas développer ici mais qui est très intéressant. C'est à partir de quel moment la mise en œuvre de la force n'est plus l'obligation qui est faite à un ordre particulier, l'ordre des guerriers qui est identifié comme tel, avec les avantages mais aussi les contraintes qui s'imposent à lui, et à partir de quel moment, et je rejoins ce que disait André sur la vision de Jean Jaurès sur l'armée nouvelle, à partir de quel moment cela devient le fait de toute la société. Et où les armées de la Révolution, c'est les armées de la conscription, c'est l'armée de la société du peuple en armes, et ce qui est très différent. Enfin, toujours est-il que cette obligation qui est faite aux armées de mettre en œuvre la force, la différencie d'ailleurs des forces de sécurité intérieure, autre sujet important qu'il faut ne pas perdre de vue. Voilà. Des forces de sécurité intérieure, elles sont là pour faire respecter l'ordre. Les armées, elles interviennent dans un désordre. Les forces de sécurité intérieure, elles sont chargées de faire respecter l'ordre qui est établi par la loi. Mais elles ne peuvent pas mettre en œuvre la force délibérée. Les seules raisons qui légitiment la mise en œuvre de la force par des forces de l'ordre, c'est précisément la légitime défense, étendue éventuellement aux personnes ou aux biens qui sont menacés. Mais en aucun cas, un gendarme ou un policier n'a le droit, l'autorisation, de mettre en œuvre la force de manière délibérée, qui est très 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 différent de ce que doit faire un soldat, de ce que doit faire une armée. Je me souviens, j'en fais quelques digressions, j'en parlais avec Jean-Pierre Le Goff avant-hier, d'avoir été chef de corps en 2005 à Vannes, discutant avec la préfète du Morbihan que j'invitais à déjeuner au régiment. On était en plein dans les émeutes des banlieues parisiennes et la préfète m'a dit « Mais que fait l'armée ?» Je dis mais je vais vous expliquer ce que fait l'armée. L'armée, elle fait la guerre, ou elle se prépare à la faire. Et donc je vais vous emmener assister à une manœuvre à tir réel d'une compagnie d'infanterie. Et vous verrez ce que c'est que la mise en œuvre coordonnée d'armes anti-chars, de fusils de tireur d'élite de calibre important qui tirent jusqu'à 1200 mètres, d'armes légères d'infanterie, de mortiers, tout ça pour détruire un ennemi, le neutraliser. C'est ça le métier de l'armée. C'est pas d'aller faire respecter l'ordre dans les banlieues. Et si vous n'avez pas compris cette différence fondamentale qu'il y a entre je mets en œuvre la force de manière délibérée jusqu'à donner la mort, et j'en accepte toutes les conséquences, et le fait de ne mettre en œuvre la force que en situation de légitime défense, vous n'avez rien compris,
qui pour un préfet était gênant, à la différence entre, mais c'était une femme remarquable par ailleurs, mais, entre les armées et les forces de l'ordre, ce qui est très grave. Ce qui est très grave parce que souvent d'ailleurs aujourd'hui on continue à confondre cette différence qui est absolument fondamentale entre les armées et les forces de l'ordre. Et du coup, la différence qu'il y a dans l'organisation des armées, dans leur équipement, dans leur fonctionnement et les forces de l'ordre. Alors cette armée, elle est donc faite pour donner la mort sur ordre. Et donc, on ne peut accepter de donner la mort sur ordre, de déchaîner la violence, que si, et donc de transgresser le tabou absolu pour toutes nos sociétés, et en particulier pour nos sociétés européennes démocratiques. On ne peut accepter de le faire que si la cause est absolument sacrée, si en réalité elle est quasi existentielle, sauf si c'est l'existence même de la nation qui est en jeu. C'est dans cette circonstance-là qu'il est légitime que la nation mette en œuvre cette capacité à donner la mort sur ordre. Alors, vous comprenez bien qu'à partir du moment où j'admets que les armées sont faites pour cela, qu'elles sont ordonnées à cette fin, qu'elles sont organisées, équipées et que leur fonctionnement permet de le faire, il va y avoir un certain nombre de caractéristiques qu'elles vont devoir réaliser pour remplir ces missions, cette mission-là, de façon convenable. La première des caractéristiques, c'est la très grande disponibilité qui est indispensable à la grande réactivité. Pourquoi ? Parce que quand la menace est existentielle, que la nation est en danger, vous ne pouvez pas délayer le moment où vous allez intervenir. Il n'est pas question de se dire, très bien, on va faire un plan à 5 ans et dans 5 ans, on sera prêt à se battre contre l'ennemi. La question se pose sur l'Ukraine. Les Ukrainiens, ils n'ont pas eu 5 ans pour s'y préparer et quand ça leur est tombé dessus, il fallait qu'ils réagissent tout de suite. Donc il faut une très grande disponibilité, une très grande réactivité. C'est très important parce que cette disponibilité, cette réactivité sont obtenues en particulier par des modes d'organisation et des modes de fonctionnement qui sont très spécifiques aux armées, qui étaient très spécifiques aux armées et qui, je l'espère, vont redevenir. En particulier, des politiques de stock, des politiques de réserve, des politiques de planification, qui doivent absolument être mises en œuvre si on veut cette réactivité et cette capacité à intervenir immédiatement. Alors, c'est un sujet qui est très ancien. Hein. Je me souviens d'avoir lu dans une biographie du maréchal Joffre la très grande inquiétude qui était la sienne, parce qu'il savait au moment du déclenchement de la guerre, le gouvernement français, qui ne souhaitait surtout pas apparaître comme un gouvernement belliciste, retarderait le plus tard possible, le plus longtemps possible, le moment de décréter la mobilisation générale. Et que donc ce retard serait tragique, puisque nous n'avions même pas de profondeur stratégique, l'Alsace et la Lorraine étant occupées par l'Allemagne. Et donc Joffre, qui savait cela, a fait une planification extrêmement fine de la montée en puissance de la mobilisation générale et de l'engagement de l'ensemble de ses troupes sur le front le plus rapidement possible. Donc ce n'est pas un sujet nouveau et c'est un sujet qui obsède en permanence tous les chefs d'état-major des armées depuis que l'armée française existe. Et comment vais-je faire pour garantir cette réactivité et cette disponibilité? Mais en particulier, vous le voyez, peut-être qu'on pourra y revenir dans les questions que vous avez à poser, cela nécessite d'avoir des stocks. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter, comme c'est le cas aujourd'hui, d'avoir des missiles sur des frégates de la marine nationale, qui sont des missiles qui vous envoyez en missiles de croisière à plusieurs centaines de kilomètres sur des cibles ennemies, de n'avoir même pas de quoi doter la totalité des frégates que vous possédez dans la marine nationale. Vous ne pouvez pas vous permettre de n'avoir que de quoi tirer 150 obus, 155 mm par canon de l'armée française. Parce que ça, c'est juste le nécessaire pour faire de la préparation opérationnelle et permettre que les gens sachent tirer au canon. Mais c'est évidemment absolument insuffisant pour affronter cette nécessité de la guerre sans préavis, avec un maximum de réactivité et de disponibilité. Cette disponibilité, cette réactivité, elles sont d'ailleurs à ce point importantes qu'elles existent et qu'elles sont précisées dans le statut des militaires, qui fait contraindre aux militaires d'une très grande disponibilité et d'une très grande capacité à la réaction et à l'action très rapide. C'est ce qui fait que les militaires n'ont pas le droit de grève, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas de décompte horaire, c'est ce qui fait que d'ailleurs j'ai dû me battre comme un beau diable en faisant dire par le président de la République et par le Premier ministre, quand j'ai pris mes fonctions, qu'il était hors de question que l'on applique et que l'on transpose en droit français, en l'appliquant aux armées, la directive européenne sur le temps de travail.
Parce que si j'applique aux militaires la directive européenne sur le temps de travail, je peux aussi leur appliquer le droit de grève, je peux aussi leur appliquer les 35 heures par semaine, et on n'en sort plus. Parce que la guerre, bizarrement, vous savez, c'est comme cet obélix, Astérix et Obélix, on voit les Anglais choqués parce que les Romains envoient des catapultes à l'heure du thé, enfin, ce qui se fait absolument pas, quoi. Enfin, Hitler, il attaquait à l'heure du thé, enfin, c'est vraiment pas bien. Voilà. Bon, mais c'est comme ça, la guerre. Il faut y être prêt en permanence, et le statut militaire comporte comme une pierre d'angle dont découlent ensuite des obligations très précises qui s'imposent à chaque militaire, ses principes de réactivité et de disponibilité. L'autre caractéristique qui est très importante pour permettre de s'engager dans la guerre, pour aller donner la mort sur ordre de manière délibérée quand l'existence de la nation est en jeu, l'autre caractéristique, c'est l'autonomie. Pourquoi l'autonomie ? Parce que le champ de bataille, par définition, c'est un lieu profondément désorganisé. C'est un endroit où la société dysfonctionne. C'est un endroit où les services publics n'existent plus. Et donc les armées doivent se doter de toutes les capacités qui font que sur ce lieu complètement désorganisé, ce lieu où règne le chaos, elles pourront conduire leur action avec le maximum de liberté d'action. Ça veut dire que pour se doter de cette autonomie, au-delà des stocks qui sont nécessaires à sa réactivité, l'armée doit se doter d'une somme de compétences qui sont extrêmement larges, d'un éventail de compétences extrêmement étendu, dont certaines qui n'ont absolument rien à voir avec la vision qu'on a, vision étroite et étriquée, de ce qu'est le métier militaire. Parce que c'est très bien de monter à l'assaut baïonnette au canon. C'est très bien, c'est pas très drôle, mais c'est très bien. C'est très bien d'être pilote de chasse à la bord d'un rafale et d'envoyer une bombe sur une cible ennemie. Mais la réalité, c'est qu'une armée ne peut fonctionner dans un ensemble et dans un cadre complètement désorganisé que si elle possède toutes les autres compétences. Si elle a des mécaniciens pour réparer ses bateaux et ses avions et ses camions, si elle a des boulangers pour lui faire à manger, si elle a des médecins pour les soigner, et tous ces métiers-là, si elle a des vaguemesses pour lui apporter son courrier quand on est à Sarajevo, encerclé par l'ennemi, et tous ces métiers-là sont des métiers qui apparaissent comme extrêmement éloignés du métier militaire, mais qui en réalité sont regroupés au sein de l'ensemble militaire, concourant au même projet qui est la mise en œuvre de la force sur ordre et délibérée jusqu'à tuer et jusqu'à donner la mort, même si, en réalité, les gens ne portent pas une arme. Ils sont militaires pour autant, leur présence et leur compétence est absolument indispensable à la réussite de l'action militaire. Parce que, encore une fois, il ne peut y avoir d'action militaire efficace sans autonomie. Alors, il y a un troisième point sur lequel on pourra peut-être revenir si vous le souhaitez, qui est une éthique particulière qui vient compléter cette singularité militaire. Pourquoi une éthique particulière ? Parce que le fait de donner la mort est la chose la pire qu'on puisse demander à un être humain, que les militaires ne sont pas des psychopathes. D'ailleurs, je me souviens d'avoir une dernière conférence que j'ai faite à l'école de guerre exposant ce sujet-là, disant que tous, même les médecins, participaient à ce projet collectif de donner la mort sur ordre. On a vu des médecins militaires se lever et dire « Mais moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. » Je dis « Bah à ce moment-là, barrez-vous, quoi. Vous n'avez rien à faire dans les armées. » Sauf qu'il s'était fait payer ses études par le service de santé des armées et que, voilà, il fallait quand même qu'il... une éthique très exigeante, parce que le fait de donner la mort est quelque chose d'horrible, d'épouvantable, que, je l'ai écrit, on ne peut se résoudre à cela que si on est capable de se laisser submerger par quelque chose qui est au fond de chacun d'entre nous, une part d'animalité, de violence extrême, qui nous permet de franchir et de briser les derniers tabous, et qui en même temps doit être absolument contrôlée, maîtrisée, avec une maîtrise qui est très difficile à faire. On pourra y revenir, qui est une maîtrise qui n'est possible que parce que cet acte est un acte collectif, et que parce qu'on agit en présence de ses camarades, à leur tête et en les commandant, le regard de l'autre sur soi nous permet de contrôler notre animalité et cette bestialité qu'on a au fond de chacun de nous. Mais en tout cas, cette
cette capacité à donner la mort sur ordre, qui est quelque chose de très difficile à faire, implique qu'en réalité, on ne s'y résolve de façon froide, avant le moment de l'assaut et avant le moment du combat, que si on le fait en offrant en contrepartie sa propre vie. Comme si la vie offerte, exposée, rétablissait une sorte de symétrie déontologique entre la mort donnée et la mort reçue, et permettait de rendre acceptable cette obligation, une sorte de fonction expiatoire qui nous est faite de donner la mort. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai expérimenté, mais vous voyez bien que ça, c'est très typiquement au cœur des notions de chevalerie, et qui reste des choses très présentes dans les armées, parce que la réflexion sur la mort à donner et la mort à recevoir est quelque chose de très, très puissant et très profond. J'y reviendrai, parce qu'il faut que je vous parle du Rwanda en particulier. Alors, ces armées, elles sont donc très réactives, très autonomes, elles ont une éthique très exigeante. Elles sont aussi organisées pour conduire l'action de grande masse, une action très complexe sur un champ de bataille très désorganisé, et donc pour se battre contre un ennemi. Alors l'ennemi, il a ceci de casse-pied, qu'il ne fait pas toujours ce qu'on a envie qu'il fasse. Et qu'en réalité, la guerre, le combat, c'est un exercice de spéculation intellectuelle. C'est des hypothèses que je dresse, que je construis, que j'échafaude sur ce que pourrait faire l'ennemi, et donc un plan de bataille que j'établis pour contrer cet ennemi, et par ailleurs, une fois que j'aurai contré, atteindre mes propres objectifs. Mais l'ennemi, bien sûr, n'obéit pas à ce qu'on a prévu, aux hypothèses qu'on a échafaudées, et donc il faut qu'on ait la même réactivité dans la conduite de l'action qu'on a quand il faut se lancer dans la bataille. Or, cette réactivité-là, elle n'est permise, et cette liberté d'action-là, que si on pratique un commandement qui laisse à chaque échelon subordonné dans l'ensemble de l'armée une capacité d'initiative qui est absolument indispensable à l'adaptation de sa manœuvre face à l'intention ou face aux actions de l'ennemi. Qui va exactement à l'opposé d'ailleurs de la vision qu'on a de l'exercice de la discipline dans les armées. À tel point d'ailleurs que je me souviens, jeune officier, j'étais encore à Saint-Cyr, d'avoir le général Lagarde, à l'époque chef d'état-major de l'armée de terre, venir nous faire une conférence. Il avait eu cette formule que j'avais trouvée extraordinaire: l'initiative au combat est aujourd'hui la forme la plus élaborée de la discipline. L'initiative au combat est la forme la plus élaborée de la discipline. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai et qui doit nous faire réfléchir d'ailleurs sur le côté très vain qu'il y aurait de la part d'un politique, d'imaginer qu'il aura des soldats qui, jusqu'aux plus petits échelons de terrain, seront le petit doigt sur la couture du pantalon et obéiront, comme me le disaient mes pères jésuites, Périndé à cadaver. Non. Parce que le soldat, jusqu'au plus petit échelon, un, il doit être capable de faire preuve d'initiative face à un ennemi qui est toujours imprévisible. Et deux, il va être confronté à ses propres dilemmes moraux, éthiques. Et donc, quoi que vous puissiez penser, l'homme n'étant pas un robot, il aura toujours cette capacité et cette initiative à faire valoir, et son appréciation propre de la mission qu'il a reçue à faire valoir. Ça, c'est très propre aux armées. On pourra y revenir si vous le voulez. C'est ce qu'on appelle l'obéissance dans l'esprit. Je ne vais pas vous refaire du saint Paul, mais voilà, la lettre tue, l'esprit vivifie. Et d'ailleurs, quand on donne un ordre militaire, on donne, en tout cas dans la culture française, non pas des tâches à accomplir, mais des missions à ses subordonnés. Et chacun, ayant sa mission à remplir, a toute la latitude qui est nécessaire pour pouvoir remplir cette mission sans désorganiser l'action de l'ensemble. Mais encore faut-il que pour pouvoir exercer cette initiative et avoir cette latitude qui lui permettra de s'adapter à l'ennemi, il est l'ensemble des moyens qui lui permettront de s'affranchir d'une tutelle trop rigide du commandement. Et donc les pions de combat, chacun d'eux, doivent pouvoir bénéficier d'une forme d'autonomie, de cette autonomie que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire que chaque régiment, qui lui-même est constitutif d'une brigade, qui lui-même est constitutif d'une division, doit avoir les moyens de sa logistique, de son approvisionnement, de sa santé, etc., etc. Et donc, vous avez, dans l'organisation des armées, au-delà de la logique de stock que j'ai évoquée tout à l'heure, vous aviez,
et vous devriez avoir dans l'organisation une armée qui est prête à rentrer en bataille, à différents échelons de cette organisation très hiérarchique et très pyramidale, les capacités à chacun de ces échelons qui permettent la conduite d'une action autonome dans l'action globale. Voilà donc ce qu'est la singularité militaire, et vous voyez que c'est souvent très éloigné de la caricature qu'on en a, en particulier dans le mode de fonctionnement et d'organisation. Cet idéal-là, il est souvent considéré comme quelque chose de dangereux en démocratie. Parce que cette armée autonome, avec une culture propre, avec une éthique très puissante, avec un sens de l'honneur, avec une capacité à dire « je refuse d'exécuter un ordre parce que je le considère comme contraire à l'éthique et à l'honneur ». Et d'ailleurs, vous savez que le droit international et le statut militaire n'exonèrent aucun soldat de la responsabilité qui est la sienne à titre individuel lorsqu'il met en œuvre la mort de manière délibérée. Il ne peut pas se réfugier derrière le fait qu'un chef, un lieutenant, un capitaine, un colonel, lui ait donné l'ordre de le faire, parce que nul n'a de possibilité d'obéir à un ordre manifestement illégal. Donc cette armée, elle est dans son idéal type, autonome, réactive, elle possède une quantité de compétences, elle a des masses qui lui permettront d'être très efficace dans la guerre, d'être très efficace aussi, au profit de la nation, sur le territoire national, quand les crises graves surviennent, qui font que, puisque les services publics sont désorganisés, dans l'urgence de la crise, cette armée, qui possède toutes ces compétences-là, est capable d'intervenir au profit de la population. Mais elle représente un danger, parce que, pour la démocratie, elle est précisément en mesure de s'opposer au pouvoir démocratique, à l'exécutif, aux parlementaires, elle est en mesure de faire valoir une vision propre de la société et des intérêts de la nation, et que sa puissance même, et par ailleurs le fait qu'elle possède des armes, et le fait qu'elle soit à ce point autonome, représente un danger. Alors, dans toutes les grandes démocraties, la tentation est forte de diminuer cette singularité militaire qui en fait, vu des démocrates, un danger pour la démocratie. Il y a un sociologue que vous connaissez sans doute, s'appelle Maurice Janowitz, c'est un sociologue américain qui a écrit et théorisé ce sujet-là. Il a écrit un livre qui s'appelle The Professional Soldier, dans les années 50, dans lequel il explique la façon dont, quand les États-Unis professionnalisent leur armée, ils ont peur que cette professionnalisation venant rompre, couper le lien, qui par ailleurs leur semblait retenir encore l'armée sur le chemin de la démocratie, que ce lien soit rompu, et donc ils vont essayer de civiliniser leur armée. Et il invente ce terme de sociologie qui est la civilianisation. La civilianisation n'étant pas l'augmentation du nombre de civils dans un corps donné, militaire, mais étant précisément l'abaissement de tous les éléments de la singularité d'une armée. Donc pour des raisons politiques, autant qu'économiques, de façon récurrente, le pouvoir est tenté en démocratie, de faire renoncer à la singularité des armées, quitte à d'ailleurs risquer de faire perdre en efficacité à ces armées. Alors ça se fait généralement selon une sinusoïde, c'est ce que M. Dabzi, je ne sais pas si vous voyez qui est M. Dabzi, pour les plus anciens d'entre vous, qui a été un élu socialiste et par ailleurs militaire de carrière au préalable et sociologue, qui a écrit un article dans l'Encyclopédie Universaliste en 95 ou 96 que je vous commande de lire, qui fait une trentaine de pages, s'appelle « Armée, pouvoir et société », qui est absolument remarquable. Et lui dit « De toute façon, ça se passe toujours selon une forme de sinusoïde. C'est-à-dire que quand j'ai beaucoup de singularité, je crains fort que cette singularité, donnant trop de force à l'armée, et en faisant un corps étranger dans la société démocratique, ne représente un danger, et donc je vais amoindrir cette singularité, et quand je l'ai trop amoindrie, je me rends compte que l'armée n'est plus efficace, et donc je recrée de la singularité. » Donc cette singularité, elle est essentielle à l'efficacité des armées, et elle a été dégradée. Elle a été dégradée pour plusieurs raisons, en particulier au moment de la fin de la guerre froide. Jusqu'à la fin de la guerre froide, même si avait déjà été entamé ce qu'a évoqué
André Thiéblemont tout à l'heure, c'est-à-dire cette culture de la paix, ce refus de la confrontation guerrière. Je dirais comme atroce ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce que je disais aux jeunes Saint-Cyriens, je me rappelle, ou aux jeunes officiers que je préparais au concours de la guerre, pourquoi est-ce que vous êtes militaire? Qu'est-ce qui fait que votre vocation d'officier fait de vous quelqu'un d'autre, de différent dans la société? Ils me répondaient tous, c'est parce que je suis prêt à mourir pour mon pays. Non, vous êtes prêt à tuer pour votre pays. Au risque de votre vie, vous êtes prêt à tuer pour votre pays. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc ça choquait les gens, mais c'est quand même la vérité. Voilà. Et donc, cette culture de paix, elle avait effectivement commencé à monter dans la société et au sein des armées, qui étaient déjà des armées de non-emploi à l'époque de la guerre froide, mais qui se préparaient à une confrontation extrême. Et qui, se préparant à une confrontation extrême qui aurait engagé toute la société et toute la nation, avaient conservé cette organisation qui garantissait la singularité et donc l'efficacité des armées dans la guerre. Avec une masse, par ailleurs, qui était extrêmement importante. Parce que, même si la guerre était empêchée par l'équilibre de la terreur entre ce principe de la destruction mutuelle assurée qu'impliquait la dissuasion nucléaire, cette armée, malgré tout, elle était prête à s'engager dans la guerre, tous moyens réunis, et en ayant préservé cette singularité. Donc, à partir de la fin de la guerre froide, on a voulu non seulement toucher les dividendes de la paix, mais on a surtout eu une conception complètement différente de la guerre et de la violence. Parce qu'on a considéré qu'il n'y avait plus de guerre, et qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Qu'il pouvait y avoir des crises ici ou là, qu'il pouvait y avoir des zones dans lesquelles la paix civile était dégradée, mais qu'en tout état de cause, la guerre, telle qu'on l'entendait classiquement, était finie. Vous vous rappelez d'ailleurs ce bouquin de Fukuyama de la fin de l'histoire, qui considérait que de toute façon, le modèle démocratique occidental libéral s'étant imposé comme le seul valide, il n'y avait plus de raison, puisqu'il n'y aurait plus de confrontation idéologique aussi puissante que celle entre le communisme et le libéralisme, il n'y avait plus de raison qu'il y ait de guerre. Et donc on a considéré qu'effectivement il n'y aurait plus de guerre. Malgré tout, on avait là à disposition un outil qui permettait de conduire une diplomatie dans laquelle on engagerait à hauteur variable, en fonction de l'effet qu'on voulait produire sur le terrain certes, mais en fonction des messages qu'on voulait adresser à l'opinion internationale ou à son opinion nationale, des éléments militaires et des éléments armés qui seraient le moyen d'assurer une forme de domination diplomatique de la France à travers le monde, ou en tout cas qui garantirait l'importance de la France comme un acteur international qui a une voix puissante. Et par ailleurs, on le faisait tout le temps, et en particulier dans cette grande période des interventions casque bleu, au nom d'un droit international qui, d'une certaine manière, réduisait les militaires à ne plus faire la guerre, mais à être des agents de police ou des gendarmes internationaux, qui était là pour faire respecter le droit international uniquement. Ce qui, André Thiéblemont l'a dit, impliquait une déformation, une perversion profonde du sens des engagements des militaires. Il a évoqué tout à l'heure cet assaut de 95. Ce qui était doublement choquant vu des forces de l'ONU quand nous sommes montés à l'assaut pour reprendre ce poste, c'était bien sûr que nous allions risquer notre vie et que finalement les soldats de la paix s'étaient progressivement habitués, puisqu'ils n'étaient plus que des agents de police internationaux, à ne plus avoir à encourir le risque de leur propre mort. Mais c'était surtout que nous allions devoir donner la mort de manière délibérée, ce qui était parfaitement contraire à nos règles d'ouverture du feu. Puisqu'à l'époque, les règles d'ouverture du feu très précises de l'ONU étaient de n'ouvrir le feu qu'en riposte et en limitant au strict nécessaire la riposte. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs que nous soyons montés à l'assaut, c'est une des raisons qui explique que nous soyons montés à l'assaut, sans traiter l'objectif par un tir d'appui préalable. Ce qu'on fait dans toutes les règles classiques de la guerre. C'est complètement aberrant de monter à l'assaut sans avoir au moins essayer de faire baisser la tête aux gens qui sont en face, les avoir tétanisés par un tir brutal et puissant et long. Là, on est monté à l'assaut comme ça, en sachant très bien que dès que nous sortirions de la tranchée, nous serions cloués au sol par un tir de gens qui, eux, n'en avaient à peu près rien à faire des règles de droit international et des règles d'engagement de l'ONU, et qu'il faudrait qu'à ce moment-là, on soit immédiatement prêt à riposter. Donc on était dans des situations d'engagement qui étaient très contraires et qui pervertissaient profondément le sens de l'engagement militaire.
mais qui par ailleurs faisait que, en réalité, si vous y ajoutez les nécessités des dividendes de la paix et des économies qu'il fallait qu'on fasse sur les budgets militaires, conduisait à réorganiser les armées pour d'abord supprimer tous les éléments de redondance qui existaient au sein de ces armées et qui, vu d'un entrepreneur privé, sont des éléments de gaspillage économique, mais qui, comme je vous l'ai expliqué, étaient absolument indispensables pour garantir l'exercice de l'initiative au combat et une manœuvre intelligente et une réaction face à l'ennemi qui est absolument indispensable. Puis ensuite, des soucis économiques qui ont conduit à essayer de spécialiser de manière fonctionnelle chacune des spécialités et chacun des métiers des armées en les séparant et en disant, après tout, plutôt que d'avoir des mécaniciens dans chaque régiment et des mécaniciens dans chaque compagnie, si je regroupe tous ces mécaniciens-là dans un seul atelier qui est installé dans la région militaire, eh bien, je les emploierai mieux, je rentabiliserai mieux leurs heures de travail, ils auront des outils qui seront concentrés au même endroit, et donc je serai beaucoup plus efficace. Et donc ce souci de rentabilité a conduit à organiser en tuyau d'orgue les armées, et à ne plus reconstituer les capacités d'une armée engagée dans la guerre que lorsqu'elles étaient sur les théâtres d'opération. Où là, effectivement, on redonnait aux chefs militaires la totalité des attributions sur l'ensemble qu'ils commandaient, qui n'était pas un ensemble préexistant de façon organique, et on lui donnait les moyens de sa logistique, de son soutien, de son administration, de sa santé, etc., etc. Mais vous voyez bien que vous ne pouvez faire cela que si vous avez renoncé par ailleurs à la réactivité. Et effectivement, on considérait que les crises dans lesquelles nous étions engagés, qui n'étaient jamais des crises de nature existentielle, dans lesquelles le politique décidait de ne s'engager encore une fois qu'à hauteur des signaux qu'il voulait donner à la communauté internationale ou des signaux qu'il voulait donner à sa propre population, nous laissait les délais nécessaires à une montée en puissance et à une réorganisation, en taillant au plus juste, comme avec du Lego, le corps expéditionnaire qui serait envoyé à un endroit. Et donc on a perverti profondément, sous prétexte de rentabilité, l'organisation des armées et leur fonctionnement. Tout cela sans que les militaires d'ailleurs, eux, qui étaient engagés dans ces crises, n'échappent à la confrontation, à la violence. Mais on pourra y revenir si vous le voulez. Parce que pour les Français, ça n'existait pas. Puis il n'y avait plus de violence, puis il n'y avait plus de guerre. Donc voilà, on envoyait des gens avec leur casque bleu. Ouais. Alors c'est ajouté à cette désorganisation des armées, à la fois sous la pression de l'évolution du contexte géopolitique et à la fois sous la pression de la nécessité des économies qu'il fallait faire, puisque les budgets ont été considérablement réduits, c'est ajouté ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la vision du politique, et particulièrement du politique de gauche, sur le danger que peuvent représenter des armées dans une démocratie. Je renvoie à Maurice Janowitz, à Dabzy, etc. J'ai lu l'autre jour, j'en parlais avant-hier soir avec Jean-Pierre Le Goff, il y a deux ans, ce livre de Nicolas Rousselier qui s'appelle « La force de gouverner », vous avez peut-être lu, qui est paru chez Gallimard, qui est un livre remarquable, dans lequel il montre l'évolution du pouvoir exécutif dans la démocratie française sous la 3e, 4e et 5e République. Et il explique très justement que sous le Second Empire, avant la défaite de 70, défaite de 70 qui d'ailleurs, je fais une incise encore, pardonnez-moi, mais est précisément le résultat d'une désorganisation des armées. Assez comparable à ce qu'on a connu nous, c'est-à-dire les armées du Second Empire sont les armées de corps expéditionnaires. Ce ne sont plus des armées qui se battent pour défendre la patrie ou la nation, tout moyen réuni. Et ce sont des armées dans lesquelles on a séparé l'administration du commandement. Et donc, on a rendu impuissant le commandement puisqu'on l'a concentré sur la mise en œuvre de la manœuvre et du combat, et que toute l'administration, la logistique, a été confiée à d'autres que les chefs opérationnels. Ceci a été mis d'ailleurs très, très, très clairement en exergue dans un rapport d'un parlementaire qui doit dater de 1800, qui s'appelle le rapport Bouchard, qui est très connu dans les armées parce qu'il met précisément en exergue le fait que c'est cet abandon de la singularité qui, en 70, face à une attaque brutale de la Prusse,
parce que nous avions perdu l'autonomie, parce que nous avions perdu la réactivité, a conduit à la défaite. Mais toujours est-il qu'après cette défaite, on est en train de reconstruire, de se préparer à reconstruire une république. Et dans la gauche française, prévaut l'idée que la meilleure forme de gouvernement en démocratie, c'est le gouvernement par la nation assemblée. Je pense que ça prévaut toujours et que le débat existe toujours aujourd'hui. Que d'ailleurs, ce qui fait une des singularités fortes de la Ve République, c'est le fait que le président de la République soit chef des armées, c'est la structuration par le nucléaire de l'exécutif, etc. Et donc, la nation assemblée garantit l'adéquation entre ce que veut le peuple et la façon dont la société est gérée et dont la nation est conduite. Or, ils sont bien obligés, ces parlementaires, de concéder qu'il faut un exécutif. Mais il faut un exécutif le moins puissant possible. Parce que cet exécutif contrevient au bon exercice de la démocratie s'il est trop puissant. Alors ils ont constaté qu'ils avaient déjà été obligés de concéder des choses à l'exécutif. Parce qu'on ne peut pas gérer et conduire les affaires d'un pays si on n'accepte pas qu'il y ait une administration. Et cette administration, elle est sous l'autorité de l'exécutif. Et ces élus de gauche, ces parlementaires, voient bien que déjà le fait qu'il y ait une administration renforce considérablement l'exécutif. Et ils se disent, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas que nous fassions, c'est donner un pouvoir de l'exécutif sur le militaire, parce qu'à ce moment-là, il se doterait des moyens de planification, d'organisation et de conduite de la guerre qui le rendraient encore plus puissante. Et donc on va organiser dans la Troisième République et dans la constitution de la Troisième République une forme d'impuissance de l'exécutif face aux armées. Parce que le parlementaire sait qu'il ne peut pas le faire et qu'il ne veut pas que l'exécutif se renforce à ce point en exerçant ce pouvoir sur les armées. C'est très intéressant parce que on n'explique pas autrement l'affaire Dreyfus que si on ne comprend pas que ces armées constituent un État dans l'État, sous la Troisième République, se considèrent assez rapidement comme une sorte d'arche sainte et s'autonomisent complètement vis-à-vis du pouvoir démocratique. Or ça, c'est une idée qui continue encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure encore une fois avec ce livre de Janowitz, qui constitue une obsession de la part de l'ensemble des politiques, plus particulièrement à gauche, mais je pense qu'à droite pas mal aussi, ce risque que des armées fassent un pronunciamento et prennent le pouvoir. Tout le monde n'est pas Bolsonaro. Donc j'ai jamais été tenté par cela quand j'étais chef d'état-major des armées. Ce qui est vrai, c'est que à cette désorganisation des armées que j'ai évoquée, encore une fois sous le poids de l'évolution de la géopolitique, sous le poids des économies qu'il fallait faire, s'est ajoutée une volonté délibérée des ministres successifs, en particulier M. Hervé Morin, quand il a créé les bases de défense, en particulier M. Le Drian, de, au sein du ministère, essayer de séparer pour mieux régner et de civiliser pour que ce danger n'existe pas. Et en particulier, dans le ministère des Armées, vous avez trois grands subordonnés du ministre qui sont très importants. Vous avez Primus Inter Pares, le chef d'état-major des armées. J'y reviendrai parce qu'il a une place et un rôle très particulier. Vous avez le secrétaire général pour l'administration, qui n'est pas secrétaire général du ministère, qui est le secrétaire général pour l'administration, ce qui n'a rien à voir. Et vous avez le délégué général pour l'armement. Et donc, les ministres successifs, en particulier M. Le Drian, se sont arrangés pour renforcer les rôles respectifs du secrétaire général pour l'administration et du délégué général pour l'armement, et amoindrir le rôle du chef d'état-major des armées et de ses subordonnés qui étaient les chefs d'état-major d'armée. De façon très clairement assumée d'ailleurs. En ajoutant une autre chose qui était le ministre est à la tête de son ministère. Et donc, on va mettre la fin à cette pratique détestable qui fait que la relation directe du chef d'état-major des armées au président de la République, qui est antidémocratique, qui fait que le chef d'état-major des armées est sous double subordination, à la fois du ministre pour tout ce qui est l'organique, l'organisation des armées, le fonctionnement, le budget, la construction de la programmation militaire, et sous les ordres du président de la République, directement, pour la conduite des opérations,
et pour toute une partie de la dissuasion nucléaire, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce sont des choses qui doivent rester très secrètes. On va mettre fin à cette espèce de double subordination qui est antidémocratique, ce qui n'est pas complètement faux, parce que le président de la République ne va jamais rendre de compte au Parlement. Qui rend des comptes au Parlement? C'est le ministre. En cas d'échec en opération, voilà. Or, le ministre n'a rien à dire. En tout cas, ne porte pas de responsabilité dans la conduite des opérations. Et si vous lisez le discours du candidat Hollande avant son élection, comme tout candidat, il a fait à un moment un discours sur les armées et sur la politique de défense, il y a un passage très précis sur cette volonté de remettre le ministre à la tête de son ministère et de donner au ministre les moyens d'amoindrir, d'une certaine manière, les pouvoirs du chef d'état-major des armées et donc de civiliser. Donc à la désorganisation qu'on a évoquée tout à l'heure, qui consistait à mettre en tuyau d'orgue l'armée de terre, on a ajouté une autre désorganisation qui consistait à mettre en tuyau d'orgue les armées. En particulier, avec une tentation très forte, qui consistait à faire passer sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration le commissariat des armées. Le commissariat des armées, c'est l'administration militaire. Comme si une administration militaire n'avait pas lieu d'exister, et que l'administration, qui était plus compétente, qui formait des administrateurs, des gens qui étaient compétents en droit, ce qui n'est pas le cas d'un militaire, ferait bien mieux le travail que des administrateurs militaires. On a été très tenté aussi de retirer, ça a été fait, toute la responsabilité sur l'infrastructure. Parce que on n'a pas besoin de sapeurs du génie pour s'occuper de l'infrastructure de défense. Il faut des ingénieurs des ponts et chaussées ou des ingénieurs du génie civil qui feront ça beaucoup mieux que les autres. On a été très tenté aussi de retirer le service de santé des armées de la tutelle du chef d'état-major des armées. Parce que le service de santé des armées, qui est déjà d'une certaine manière assez autonome, on ne voit pas ce que ça apporte qu'il soit sous l'autorité du chef d'état-major des armées. On a été très tenté aussi de faire passer toute la responsabilité du maintien en condition opérationnelle des équipements, qui est une responsabilité et des budgets absolument considérables, sous l'autorité du délégué général pour l'armement, au prétexte que la verticalisation du maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire un engagement plus fort des différents industriels de défense dans le maintien en condition des équipements, justifiait que la délégation générale pour l'armement prenne cette responsabilité-là. Voilà donc l'aboutissement de cette démilitarisation, de cette fin de la singularité militaire, de cette civilisation des armées. Et voilà ce contre quoi j'ai lutté, farouchement. Pas seulement contre l'application de la directive générale du temps de travail aux armées, mais également pour rappeler l'autorité du chef d'état-major des armées sur le commissariat et leur pleine intégration dans les armées, pour rappeler leur autorité sur son autorité sur le service de santé des armées, pour rappeler qu'une partie des crédits d'infrastructure devait être absolument à la main des chefs d'état-major d'armée, eux-mêmes sous l'autorité du chef d'état-major des armées, pour rappeler je ne vais pas rentrer dans le détail. Tous ces combats-là ont été des combats qui sont passés complètement inaperçus, qui n'ont pas résolu le problème des armées dans leur ensemble, mais qui ont permis de recréer une structure et un mode de fonctionnement qui se rapproche de l'idéal type que j'évoquais tout à l'heure et qui permet mieux aux armées de s'engager dans la guerre. Alors ensuite, il y a d'autres sujets, les sujets financiers, évidemment, économiques, qui font qu'on part de très très loin. Mais ce qui est clair, c'est que, d'abord, ce que j'ai fait là, je l'ai fait avec l'approbation, le soutien du président de la République, très clair, qui avait parfaitement compris ces enjeux-là, et qui mesurait à quel point les excès de civilisation, les excès de perte de singularité menaçaient le fonctionnement des armées. Et qui, dans l'entreprise de restauration qu'il a menée pendant son premier mandat, ou de fin de la dégradation, m'a donné les moyens et surtout le blanc-seing pour que nous réorganisions les circuits de décision, y compris d'ailleurs de décisions administratives et financières, sachant que le chef d'état-major des armées, il est responsable du programme 178 et co-responsable du programme 146 en nomenclature budgétaire, qui sont en fait le responsable budgétaire le plus important de l'État. Donc tout ça a été reconstruit patiemment. Ça n'a pas tout résolu, mais voilà ce que nous avons fait pour renforcer les armées et encore une fois se rapprocher de l'idéal type. Alors je réponds à votre dernière question, André.
Quelles sont les transformations en cours? Ben, c'est la poursuite de ce qu'on a commencé à faire. Je pense que le premier mandat du président de la République, avec les moyens qui ont été accordés aux armées, qui étaient des moyens importants, de plus 1,7 milliard d'euros par an, qui permettaient d'approcher les 2% du budget. Mais la réalité, c'est que le budget des armées aujourd'hui, il est à 43, 44 milliards d'euros. Si nous faisions un effort comparable, toute proportion gardée, à l'effort des Américains, nous aurions 94 milliards d'euros. Et depuis 40 ans. Vous imaginez la différence absolument colossale que ça implique. Il n'est pas question de se comparer aux États-Unis pour la masse que nous serions capables de produire, mais cette simple différence doit vous permettre de mesurer à quel point en réalité les armées ont souffert et à quel point la contrainte économique a été extrêmement pesante. Dans les années 80, je pense que à la fin du mandat de Giscard d'Estaing, les armées devaient disposer d'environ 4% du produit intérieur brut. On est descendu à un 6% du produit intérieur brut. Donc c'est une dégradation considérable des moyens qui, encore une fois, s'est passée de façon inaperçue. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a réorganisé, restauré les principes de fonctionnement des armées, il faut penser à les rééquiper. Et il faut penser à recréer de la masse. Et c'est aujourd'hui la grande difficulté à laquelle on est confronté. Grande difficulté parce que ça nécessite des investissements colossaux, parce qu'en plus cet effort est à produire au moment où nous sommes dans le renouvellement de toute une gamme d'équipements qui ont atteint 40 ou 50 ans d'âge. Et donc il faut faire ce renouvellement qui coûte extrêmement cher. Qu'on le fait sur des petites quantités, en essayant de sauvegarder une base industrielle et technologique de défense nationale qui ne produit plus qu'en petites quantités, qui fait de l'artisanat, d'art. Les canons César dont vous entendez parler, on en produit 10 par an. On en a déjà donné 30 à l'Ukraine, donc sur 75 de l'armée française. Ça fait peur quand même. Donc il faut repenser la façon dont cette industrie de défense doit être capable de produire des équipements, de les produire moins cher, ce qui est très difficile, parce que ce qu'on observe, c'est que la tendance naturelle, c'est qu'à chaque renouvellement d'une gamme d'équipements, en réalité, le facteur, c'est un facteur 3 de coût par rapport à la gamme d'équipements précédente. C'est-à-dire que si on fait demain un remplaçant du Charles Leclerc, ça coûtera 3 fois plus cher que le Charles Leclerc à son époque. Qu'on ne parvient pas aujourd'hui à s'entendre entre industriels de l'armement européen, que par ailleurs les États-Unis font tout pour que nous ne nous entendions pas entre industriels de l'armement européen, évidemment, parce qu'ils n'ont pas intérêt. Comme le disait Mme Parly, l'article 5 n'est pas l'article F-35, ce qui est très très vrai. Voilà. Et que, au-delà des équipements qu'il faut que nous renouvelions, que nous entretenions, avec un entretien qui coûte très cher, parce que plus les équipements évoluent, plus ils sont sophistiqués, il faut que nous reconstituions les stocks qui vont avec. Or, des stocks de munitions, c'est extrêmement cher à reconstituer. Parce que le moindre missile ou la moindre bombe vaut des dizaines de milliers d'euros. Et que ce sont des équipements qui arrivent à péremption au bout de quelques années. Donc soit vous les tirez et vous les utilisez, soit vous êtes obligé de les rétrofiter, de les renvoyer à l'industriel, parce que c'est bourré d'électronique, parce que c'est... Voilà. Donc ce sujet-là est un sujet très complexe, qui fait qu'à mon avis la balle est autant dans le camp des industriels que dans le camp des militaires à proprement parler, mais qui ne pourra être résolu que par l'existence d'un vrai marché de l'armement européen, d'alliances qui sont indispensables entre les industriels de l'armement européen, qui encore une fois sont des alliances qui permettront de produire pour les différentes armées de l'Union européenne et donc de produire en plus grande quantité, avec des économies d'échelle qui sont absolument nécessaires. Mais c'est difficile à faire parce que, évidemment, les États-Unis et aujourd'hui la Grande-Bretagne font tout pour que ça ne se fasse pas. À tel point d'ailleurs que le fonds d'investissement européen qui a été consenti de 7 milliards d'euros pour des projets de défense, parce que l'Europe commence à prendre la mesure de ce qu'elle a besoin de se défendre ou en tout cas de se doter de vraies capacités militaires, il y a un combat qui à mon avis n'est toujours pas terminé sur le fait que les projets qui peuvent être financés par ce fonds doivent être des projets purement européens ou des projets dans lesquels un tiers, notamment des industriels de l'armement américain,
participerait. Ce qui est absolument contradictoire, puisque précisément, il s'agit de restaurer la capacité ou de sauver la capacité industrielle et technologique européenne. Voilà, j'ai été trop long, j'espère avoir à peu près répondu à vos questions. Très bien. Bien. Alors, je vais poser des questions du point de vue civil, j'allais dire, et notamment sur cette question qu'on vous a posée, le rapport du politique et du militaire, vous en avez déjà abordé le sujet, et pour introduire cette question, je partirai de l'un de vos articles qui est paru dans la revue Inflexion, « Pour une culture armée ». Vous écrivez ceci, « La finalité des armées les vouant à la nécessité éventuelle de l'engagement le plus extrême pour la survie du pays », les armées entretiennent un lien consubstantiel avec la nation. Un peu plus loin, dans cet article, vous parlez de relations sacralisées. Le lien entretenu avec la France transcendant la fidélité à un régime particulier. Et vous insistez particulièrement sur cette question d'apolitisme ou des dépolitisations de l'armée. Et vous ajoutez d'ailleurs, cet apolitisme n'est pas exclusif d'une interrogation récurrente sur la légitimité des missions et des ordres donnés par l'autorité politique. Alors ma première question, elle porte sur cette notion de sacré, qui transcende évidemment la politique au sens, pas simplement politicien du terme, mais au service de la nation. Alors on pense évidemment aux paroles de la Marseillaise, amour sacré de la patrie, mais jusqu'où peut-on aller à partir du moment où ce sacré est mis en avant du point de vue de la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas, un peu comme la notion d'honneur de l'armée, une possibilité ou un risque, je dis bien, c'est un risque de faire en sorte que la notion d'honneur, je pense évidemment à la question de l'affaire Dreyfus que vous avez évoquée, ou au sein de l'armée d'ailleurs, qui n'était pas unie sur ces points-là, mais il y avait, pour une partie, il pouvait y avoir l'idée qu'il fallait défendre à tout prix l'honneur de l'armée, que Dreyfus ou pas soit coupable. Et en face de ça, vous aviez les Dreyfusards qui avaient comme mot d'ordre, comme valeur, qui dépassaient cette notion-là, qui était vérité et justice. C'est-à-dire qui opposaient d'une certaine façon la raison d'État, ou ce qu'on pouvait appeler la raison d'État, ou plus précisément la défense d'une certaine image de l'armée. Et qu'en est-il exactement? Alors ça, c'est ma première question. Ma deuxième question sur ce même sujet du rapport entre la dimension, j'allais dire, politique et la dimension du militaire, c'est l'intervention de l'armée dans une situation d'émeute ou de crise révolutionnaire. Vous l'avez évoqué, c'est vrai que notre histoire française, je ne vais pas dire est riche, mais notamment au XIXe siècle, de l'intervention de l'armée directement au sein d'éléments de guerre civile. Je pense évidemment à 1848, Patrick Diénifé, il y a quelque temps, était ici nous expliquer les massacres qui ont eu lieu en 48, qu'on oublie d'ailleurs un peu par rapport à la Commune. Il y a eu la Commune, je ne vais pas remonter toute l'histoire. Il y a eu en 1947 l'intervention de l'armée dans le Nord-Pas-de-Calais sous la directive du ministre socialiste Jules Moch, où l'armée, avec ses engins, a pénétré et occupé les carreaux de mine, etc., avec d'ailleurs de la violence et des morts. Donc ça, c'est... Et puis, on ne peut pas manquer de se référer un peu à ce qui s'est passé en Algérie, ce que l'historien Pierre Nora appelait notre guerre des sécessions à nous, quoi, d'une certaine façon. Donc ma question est la suivante. Vous y avez en partie répondu, mais je vous la repose. Dans quel cadre et dans quel cas précis l'armée peut-elle intervenir pour rétablir l'ordre intérieur? Et plus précisément, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais je reviens dessus, quelle est votre conception de l'intervention de l'armée dans l'ordre intérieur en cas de crise grave et, je dirais, en cas de guerre civile? Puisque dans notre histoire, on a eu l'armée qui est intervenue dans des cas de guerre civile. Je sais par ailleurs, en ayant un peu, m'étant promené, si j'ose dire, sur le net, sur le web, où il y a un certain nombre de sites qui, sans parler de putsch, mais parlent de réserve de l'armée en cas de guerre civile et en cas d'émeute. Nous sommes la réserve prêts à appuyer l'armée, etc. Alors voilà un peu ces deux questions, à la fois le sacré, cette notion de sacré. Jusqu'où peut-on aller dans cette notion de sacré par rapport aux exigences, j'allais dire, éthiques
personnel de vérité, d'une certaine façon, et là je reviens sur cette question de l'affaire Dreyfus, et deuxièmement, du point de vue de l'intervention de l'armée en cas de crise grave, puisque cette idée, vous l'avez évoquée à propos des banlieues, mais je pense qu'elle court un peu dans la société. Pour une anecdote, il se trouve qu'il y a quelque temps, j'ai pris un taxi, je suis tombé sur un chauffeur du taxi qui m'a expliqué pendant tout le trajet comment l'armée devait absolument, et on aurait résolu le problème en 2 minutes dans les banlieues, ça leur apprendra. Et cette idée se répand de façon confuse. Voilà. Donc voilà mes deux questions sur cette question du rapport au politique. Je crois que André pourra rebondir également. Sur la première, je voudrais juste ajouter honneur, fidélité. Oui. Donc j'ai réduit l'agent étrangère, et là on est dans l'ambiguïté là, par rapport à ce que tu dis. Oui. Honneur, fidélité. Honneur et fidélité. Pourtant, ça marche. Mm-hmm. Bon. Fidélité, mon honneur. Bon, c'est une question. Enfin, le sacré, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Vous savez que quand le président de la République est intronisé, une des premières choses qui est faite après le discours du président du Conseil constitutionnel qui reconnaît qu'il a été élu légitimement et la présentation du collier du grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur par le grand chancelier, c'est la présentation des plans de frappe nucléaire. Et que la relation très étroite qui existe entre le président de la République, chef d'état-major des armées, est particulièrement liée à cette définition de la capacité de destruction effroyable dont dispose la France, et qu'elle entretient à grand prix. Qui fait d'elle d'ailleurs la seule nation avec les États-Unis à être à ce niveau-là de maîtrise technologique, capable de mettre en œuvre une capacité de destruction absolument effroyable, de façon parfaitement autonome. Par exemple, les Britanniques n'ont aucune autonomie ou très peu d'autonomie dans la mise en œuvre de leur dissuasion nucléaire. Les missiles des sous-marins nucléaires britanniques sont chargés dans des ports américains. Les Australiens qui prétendent acheter des sous-marins nucléaires américains, en réalité, hébergeront dans quelques années des bases américaines, qui seront des bases américaines avec des équipages qui seront peut-être australiens en partie, mais qui seront surtout des équipages américains. Donc le sacré, c'est d'abord ça, c'est cette extraordinaire capacité de destruction, cette responsabilité écrasante qui pèse sur les épaules du président de la République. Il faut que vous sachiez qu'à l'époque du général de Gaulle, quand on a créé la dissuasion nucléaire française, la doctrine était assez simple en fait. Il faut que nous infligions à l'ennemi des destructions équivalentes aux avantages qu'il gagnerait en s'emparant de la France. Et donc il y avait un calcul assez basique, qui avait être un calcul de polytechnicien, j'imagine. Je ne suis pas polytechnicien, donc je peux me moquer d'eux. Qui était, la France c'est 40 millions d'habitants, il faut infliger 40 millions de morts. Et donc, on mettait en œuvre un système extrêmement perfectionné, extrêmement sophistiqué, c'est le seul d'ailleurs qui est jusqu'au bout conservé les éléments de la singularité militaire, avec l'autonomie, l'indépendance, les stocks, etc., qui permettait, sur décision du président de la République, de tuer 40 millions de personnes. Quand vous prenez cette charge-là sur les épaules, vous mesurez bien la dimension de sacré, précisément. Et quand vous êtes militaire, vous êtes associé à cette sacralité-là. Ça ne veut pas dire que les armées placent autre chose comme sacré au-dessus de ça. Il n'y a rien d'autre. La seule chose qui soit réellement sacrée pour les armées, c'est d'être certaines qu'elles mettront en œuvre la force jusqu'au plus extrême, jusqu'à la dissuasion nucléaire, pour le bien du pays et pour sauver la nation. Parce que si elles le font pour autre chose, elles s'associent à un crime qui est absolument insupportable. Donc ce sacré, pour moi, n'est pas quelque chose qui puisse encourager les armées au nom d'une vision différente qu'elles auraient du politique, que celle du politique, vers la défense d'un honneur des armées qui les ferait s'affranchir de l'autorité du politique. En revanche, ça veut dire que
elles sont à la fois, et j'aurais dû le dire, prêtes à assumer, à revendiquer la très stricte subordination aux politiques, qui est d'autant plus indispensable que, je vous l'ai dit, en démocratie, légitimement ou non, il y a ce fantasme ou cette crainte d'une armée qui s'affranchirait du politique. Et donc, moi, je revendique, et je pense que tous les chefs d'état-major des armées que j'ai connus et que je connais, le revendiquent avec la même vigueur, une très stricte subordination aux politiques. J'ai dit soumission, ce qui m'a été reproché. Très stricte subordination. Mais cette très stricte subordination, elle implique une association étroite du militaire à l'élaboration des ordres qu'il devra mettre en œuvre. Sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, la question qui se pose quand on doit mettre en œuvre cette force, et qui se pose jusqu'aux plus petits échelons, c'est la question de la légitimité de l'ordre qu'on met en œuvre. Et cette légitimité, elle ne peut être garantie, et chaque individu militaire dans le collectif est fondé à se poser la question de la légitimité de l'ordre qu'il reçoit. Cette légitimité, elle ne peut être garantie que par une discussion très étroite entre le président de la République, chef des armées, et ses conseillers militaires, et en particulier son chef d'état-major des armées, qui garantira qu'au-delà d'une intention générale positive, bonne, il y a dans le détail de ce que nous allons mettre en œuvre, et dans la façon dont nous exécuterons la volonté présidentielle, la garantie d'une légitimité qui permettra que les principes républicains soient respectés, que les valeurs constitutionnelles soient respectées, que tout le corpus général de la démocratie française soit respecté. Et c'est là que va s'exercer ce rapport au sacré, et je dirais non pas un libre arbitre, mais en tout cas un dialogue très, très, très frontal, très fort, avec le président de la République. Et croyez-moi, ce dialogue, il est constant. C'est une singularité, pour le coup, parce qu'il n'y a pas d'autres institutions dans lesquelles, s'affranchissant du ministre, sans s'en affranchir, le ministre assiste évidemment à ces échanges, mais en tout cas n'étant pas dans une relation de subordination au ministre, le patron d'une institution s'adresse directement au chef de l'État. Et vous voyez bien d'ailleurs que c'est aussi ce qui fait la particularité de la Ve République, à ce point-là, et à cause de la dissuasion nucléaire. Cette position de chef des armées du président de la République sous la Ve République est quelque chose d'extrêmement puissant. Quand on sait les origines de notre Ve République, on ne peut pas s'en étonner. Voilà, donc pour moi, encore une fois, je vois ce que vous sous-entendez et en vous référant à l'affaire Dreyfus, d'une armée qui se verrait comme un conservatoire des valeurs, qui s'affranchirait d'une sorte de décadence et qui permettrait à la France d'eux. Je crois que c'est une vision fantasmée de l'extérieur et des gens qui ne sont pas dans les armées. La vérité, c'est que les armées, elles se posent la question des conditions de leur emploi, de leur engagement et de ce qu'on va leur demander de faire. Parce que quand vous tuez quelqu'un, ça vous poursuit toute votre vie. Et qu'on a plein de soldats qui font ça quand même, au Mali ou ailleurs. Bon. Et que le fait d'être un soldat de la paix, comme vous l'avez évoqué, ou d'être engagé dans des gestions de crise où vous n'avez pas à tuer les gens, est sans doute pire d'ailleurs. Je voulais vous parler du Rwanda. De cette période où les armées étaient démilitarisées, où elles n'étaient plus des armées, mais des outils de gestion de crise, outils militaires à la disposition de la diplomatie. Or, moi, je revendique qu'il n'y a pas de subordination du militaire au diplomate, ce qui peut parfois m'opposer à des diplomates. Mais il y a une politique économique, il y a une politique militaire, il y a une politique diplomatique. C'est pas le diplomate qui doit... Voilà. C'est un ensemble de politiques. L'intervention au Mali, ça devrait être... la coordination étroite entre des politiques économiques, d'appui au développement, d'appui à la gouvernance, de la diplomatie et du militaire. Il n'y a pas de hiérarchie des normes là-dedans. Voilà. Donc dans ces crises dans lesquelles nous étions engagés comme un outil au service de la diplomatie française, nous étions aussi très soumis à, je l'ai dit, à l'opinion publique française, puisque les interventions de nos armées, elles répondaient pour une part à ce qu'imaginait le chef de l'État de l'attente de sa propre opinion publique et dans un monde de plus en plus médiatisé où évidemment il y a un gentil et un méchant. D'ailleurs c'est pareil aujourd'hui, il y a un gentil et un méchant, et
Un gentil et un méchant. Aujourd'hui, le méchant, c'est le russe. Bon. Ah, un gentil et un méchant. C'est vrai que c'est un méchant et c'est pas bien. Néanmoins, méfions-nous de la capacité d'auto-intoxication qui est la nôtre. Mais à l'époque, quand j'étais au Rwanda, il y avait un gentil et un méchant. Le gentil, c'était le Tutsi, le méchant, c'était le Hutu. Et ça n'est pas contestable. Ça n'est pas contestable. Sauf qu'à partir du moment où il y a un gentil qui est une victime et un méchant qui est un bourreau, vous êtes porteur de l'indignation de la société et vous êtes même porteur de la volonté de vengeance de la société contre ces bourreaux. Et donc vous ne considérez plus le bourreau comme un ennemi, vous le considérez comme un criminel qu'il faut éradiquer. C'est dire ça le danger, j'ai horreur de ce terme d'éradication. J'entendais les gens dire il faut éradiquer le terrorisme au Mali. Enfin, c'est une absurdité, on ne va pas éradiquer les terroristes. On n'éradique rien, on n'éradique pas le mal. On lutte contre, mais on n'éradique pas. Et je me souviens d'une histoire qui nous est arrivée au Rwanda, dans une situation compliquée, où nous luttions pour essayer de sauver les Tutsis. Et puis, en même temps que nous luttions pour sauver les Tutsis, nous étions en charge d'assurer l'accueil dans la zone humanitaire sûre qui avait été créée, des Hutus qui fuyaient les troupes du Front Patriotique Rwandais et qui étaient dans un exode qui avait provoqué au nord du lac Kivu, à Goma, une épidémie de choléra absolument terrible. Et donc, après avoir mis les gens dans des trous à coups de pelleteuse à Goma, il avait été décidé et validé par les Nations Unies la création d'une zone humanitaire sûre dans le sud-ouest du Rwanda. Et dans cette zone humanitaire sûre, on continuait à sauver les Tutsis en les extrayant là où ils étaient détenus, en les récupérant de nuit. Je dis ça parce que je me suis fait traiter pro-Hutu par un journaliste communiste, un journaliste qui a écrit dans l'Humanité, un historien, qui disait que... Parce que j'ai écrit un article dans lequel j'expliquais comment on faisait pour sauver les Tutsis. Les Tutsis qui étaient survivants, quand on est arrivé, c'était le plus souvent des enfants qui avaient été sauvés par un voisin compatissant, des tout petits enfants, ou alors des jeunes femmes, des jeunes filles qui étaient utilisées comme esclaves sexuels. Et puis il y en avait qui étaient conservés par des voisins qui étaient moins barbares, moins fous que les autres, qui avaient moins cédé à cette espèce de folie collective et qui les cachaient chez eux. Et donc nous montions deux types d'opérations, soit on débarquait chez des gens et on venait ramasser ceux qui étaient utilisés comme esclaves, soit on mettait en place des filières, on allait la nuit, en se cachant, récupérer des jeunes enfants qui étaient mis sous notre protection par des Hutus qu'ils avaient protégé jusque-là. On m'a dit, oui, si vous disiez ça, c'est donc que vous étiez d'accord avec les Interahamwe, les miliciens, etc. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est parce que les gens qui les remettaient sous notre protection ne voulaient surtout pas que les autres sachent qu'ils les avaient protégés et qu'on ne pouvait pas les mettre en danger. Et que de toute façon, quand vous êtes dans une zone de 30 km sur 15 avec 120 hommes, je ne vois pas comment vous pouvez contrôler tout. Et donc on était en train de faire ça, et puis on essayait de remettre en état les dispensaires. On travaillait avec des programmes alimentaires mondiaux, des programmes des ONG pour remettre en place des dispensaires, faire venir des médicaments, recenser le personnel médical qui était dans la zone et essayer de soigner les gens qui étaient sur place et notamment tous ces gens qui vivaient un exode. Et puis un jour, on était en train d'essayer de remettre en état un dispensaire. On fait un tas, un endroit pour mettre le feu à tous les meubles cassés, on ne sait pas écologique, mais à l'époque, on n'avait pas une telle sensibilité, les papiers, etc. Et au moment de mettre le feu, il y a un soldat qui me dit « Mais mon capitaine, regardez !» Et on voit un pied qui sort du sol, qui était le pied d'un petit enfant, tout petit, un bébé. Donc on arrête tout, on déterre, c'était une maternité, et tous les enfants de cette maternité, je ne sais combien, 30, 40 corps, de quelques semaines, avaient été massacrés, enterrés, pas assez profondément. Et donc avec nos soldats, on arrête tout, on déterre tous les corps, on recreuse la fosse plus profondément, on prend des photos et on s'en va. Et le lendemain, le chef de section avec lequel j'avais fait ça m'appelle
Il me dit, il y a un mouvement de foule dans le village où on est. Il cherche à lyncher quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah, tu t'interposes, tu récupères le mec qui essaye de lyncher, et j'arrive. J'arrive une demi-heure après sur le site, et là je vois toute la population du village, ou tout, en colère autour du poste de la section. Je vous ferai un passage à travers eux, je rentre dans le poste, et là je vois un homme, un grand jeune homme noir, Hutu, enfin Hutu, je vous mets au défi de reconnaître un Hutu d'un Tutsi. Enfin bon, les Tutsis, il n'y en avait plus, donc, sauf ceux qui étaient sous protection, qui était attaché d'une certaine façon, en plein soleil, nu, attaché par les pouces, enfin voilà. Les bras levés, enfin, objectivement, c'est un début de torture. Et le chef de section me dit, il n'avait pas à boire, pas à manger, il était nu en plein soleil. Et le chef de section me dit, il faut qu'il s'évade et on le tue. Enfin, il faut qu'il fasse une tentative d'évasion et on le tue. Parce que ce type-là, c'est un des Intaramwe qui a participé au massacre des enfants qu'on a réenterrés hier. Et donc vous venez ajouter cette charge d'émotion au fait que de toute façon, enfin, pour le coup, on leur donnait la possibilité d'être des justiciers. Alors on l'a pas tué, bien sûr. Enfin, on l'a pas tué, bien sûr. On l'a pas tué. Mais ce que je veux dire, c'est que, pardonnez-moi cette incise, mais le fait de considérer les gens comme victimes au lieu de les considérer comme ennemis, ou les considérer comme bourreaux au lieu de les considérer comme ennemis, peut brouiller profondément le sens de notre action, profondément. C'est ça la question de la légitimité de l'action qu'on conduit. C'est ça qui nécessite que tous les chefs militaires, jusqu'au plus petit niveau, se posent en permanence la question de ce qu'ils ont le droit de faire, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'il est légitime qu'ils fassent, du bien fondé des ordres qu'on leur a donnés. Mais vous voyez que c'est là que s'exerce cette sacralité. C'est pas du tout dans « je suis l'armée éternelle et la France est décadente ». Et donc je vais désobéir au pouvoir politique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le politique, lui, il ne peut pas être, on n'est jamais assuré, mais il y a de grandes chances que les intentions qui sont les siennes quand il donne des ordres d'intervention militaire soient trahies s'il ne prend pas le soin d'échanger très précisément avec ses conseillers militaires, au premier rang desquels le chef d'état-major des armées, qui lui-même se travaille avec son état-major, avec les états-majors qui sont sur le terrain, pour définir les modalités de l'action, les ordres qui seront donnés, les missions qu'on va recevoir. Parce qu'autrement... voilà. Vous m'avez posé la question de l'intervention de l'armée sur le territoire national. Bon, alors, je pense qu'on a dépassé cela. Et on a dépassé cela probablement grâce au traumatisme de l'Algérie, voilà, qui était une forme de guerre civile, quand même. Voilà. Oui. Et qui a conduit les armées à faire des choses... qui fait qu'elles se sont trahies elles-mêmes. Voilà. Je me souviens de l'affaire Maé. Ça vous dit rien, c'était en Côte d'Ivoire. La même chose. En Côte d'Ivoire, des coupeurs de route ont été en zone d'interposition entre le nord et le sud. Les types qui allaient piller les villages. Un jour, un chef de section passe dans un village. Il trouve, pardonnez-moi de rentrer dans le détail, mais le corps d'une jeune fille à peine pubère, avec la main coupée, enfoncée dans son vagin, la tête coupée, posée sur son ventre. Et après, ils arrivent à choper le type dont on leur dit c'est lui qui fait ça. Bon. Et ils l'ont tué. Ils l'ont exécuté. Bon. Ça a valu la démission de quelques officiers. Ça a été un drame. Mais vous voyez bien que. Et quand je suis parti juste après cette affaire-là en Côte d'Ivoire, j'ai dit à mes soldats je vous forcerai à respecter votre éthique de soldat. Et je vous garantis que je ne vous mettrai pas dans des situations où vous serez tenté de ne pas respecter votre éthique. Parce que c'est une responsabilité de commandement. Les armées sur le territoire national, il y a plusieurs choses. D'abord, les armées, je pense, ne sont pas faites pour rétablir l'ordre intérieur. Il y a des conditions d'engagement des armées sur le territoire national qui prévoient qu'elles aillent remplacer les missions... Oui, mais c'est pas tellement ça. Les armées sont... peuvent être engagés sur le territoire national dans des missions de sécurité, ce qui n'est pas l'opération Sentinelle, hein. Mais elles sont remplacées, elles sont là pour remplacer les forces de l'ordre et de sécurité, notamment pour la garde des ambassades, des bâtiments publics, etc., etc., pour que la totalité des moyens des forces de l'ordre et de sécurité puissent être engagés dans des opérations de maintien de l'ordre. Voilà. C'est ça, les conditions de l'engagement des armées sur le territoire national,
et celles-là me paraissent acceptables. Je pense qu'ensuite, vous l'avez dit, si on était dans une situation de guerre civile qui justifiait l'engagement des armées, je ne peux pas répondre à cela. Je pense que ce serait effroyable. Effroyable. Je pense qu'il n'y a pas de pire chose qu'une guerre civile. Pour l'avoir vécu en ex-Yougoslavie, c'est absolument atroce. Ça laisse des fossés remplis de sang qu'on n'arrive jamais à combler. Voilà, je souhaite que ça n'arrive jamais à notre pays. Je tiens à faire remarquer que notre armée, elle est diverse. Elle est diverse, notre armée. Que vous dire d'autre ? Pour le reste, les gens fantasment votre conducteur de taxi, il ne sait pas ce que c'est que les armées. La force d'action terrestre, c'est-à-dire la capacité humaine d'engagement de soldats qui portent un fusil. Je ne parle pas ni des médecins, ni des mécaniciens, ni des transmetteurs, ni... C'est 70 000 hommes dans l'armée de terre. Il y a 150 000 policiers, 150 000 gendarmes, des vigiles partout. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 70 000 hommes ? Quiconque sait un peu ce que sont les règles d'engagement en localité, sait très bien que s'il fallait engager l'armée de terre française dans la réduction des émeutes dans une banlieue, et c'est pas une armée de terre française qu'il faut, c'est 10, 20 armées de terre. Voilà. Donc de toute façon, techniquement, ça n'a pas de sens. Oui, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Donc, compte tenu en particulier des moyens et des techniques qui sont mises en œuvre par l'armée de terre. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Alors ensuite, j'ai été un chef interarmé, donc moi je ne vais pas envoyer des rafales au-dessus de je ne sais pas quelle banlieue, quoi. C'est ridicule. Vous demandez à une frégate d'aller envoyer un missile. Enfin, c'est ça les armées, c'est cette complexité-là. C'est, voilà. Voilà. Alors, juste, tu veux revenir ? Non, je. Techniquement, ça n'a pas de sens. Mais moi, je souhaiterais. Il y a l'époque qui vit et il y a celle du passé et celle de l'avenir. En 1968, j'étais moi-même à Lyon au 9-9, et j'étais, le 9-9, il y avait des régiments qui étaient force de réserve. Et il y avait des manifestations à Berlier. Et à certains moments, je me suis trouvé devant la situation en tant que force de troisième catégorie. C'est-à-dire, je dis, première catégorie, ce sont la police, deuxième catégorie, ce sont les gendarmes, et troisième catégorie, c'est l'armée qu'il faut réquisitionner. Il faut une réquisition du préfet. C'est comme ça que l'armée intervient sur des plans secs, etc. Et donc, moi, je me trouve devant la situation où on me dit, simplement, avec votre détachement, avec votre compagnie, vous allez peut-être intervenir sur Berlier, en maintien de l'ordre. On a été drillés au maintien de l'ordre. Avec des fusils, des on n'allait pas dessus, mais bon, en Algérie, moi, j'étais confronté au maintien de l'ordre avec des barbelés. Donc, moi j'ai dit, je vais pas. J'ai dit à mon colonel, j'y vais pas. Si ça arrive, moi j'y vais pas. Bon, il ne s'est rien passé, donc moi, j'ai pas eu de problème. Mais dans des situations, comment dirais-je, très ponctuelles, dans des abcès, on peut avoir, malgré tout, des situations où, pour une raison ou pour une autre, les CRS sont débordés, machin. Et alors, effectivement, l'armée ne sera pas en première ligne, elle ne sera pas. Mais elle sera. Il peut y avoir une force, aussi réduite soit-elle, qui soit en containment, qui soit bon. Donc, il y a combien de lieutenants qui diront j'y vais pas ? Ah ben voilà, exactement. Je pense que l'armée d'active aujourd'hui n'ira pas. Non, je pense que l'armée d'active aujourd'hui n'ira pas, je sais pas. Et donc ça, c'est un frontage de réservistes. Ah oui, c'est ça. Je pense que l'armée d'active aujourd'hui a développé une culture qui fait que pour elle, la pire chose. Ah ouais. C'est épouvantable qui nous conduirait à renier notre vocation, ce pour quoi on s'est engagé, ce en quoi on croit. C'est ça, je suis persuadé, c'est un vrai fantasme de réserviste ou de retraité. Non, mais je sais que c'est pas votre fantasme.
Allez, Jean-Pierre. Oui, bon, ben, on va terminer sur la dernière question, mais qui a été déjà largement abordée, sur la question de l'éthique. Je crois d'ailleurs, dans le civil, beaucoup ignorent totalement, ont encore une vision, pour le coup, très fantasmée du règlement, avec un arrêt un peu sur image, années 50, je peux parler de ma génération, mais je me souviens que quand j'étais, je vous l'ai dit l'anecdote, quand j'étais en classe de philosophie en terminale, il s'est trouvé, c'était un institut catholique à l'époque, il s'est trouvé que qu'était diffusé le livre qui s'appelait « La question » d'Henri Allègre. Et bon, j'ai découvert ça à 18 ans, c'était quand même assez, je dirais pas traumatisant, mais en disant non, c'est pas possible, surtout que c'était en Normandie, et les parachutistes en Normandie, c'était eux qui avaient libéré la Normandie. J'ai été baigné dans cette culture à Cherbourg, on vous racontait quand vous étiez enfant, le débarquement, enfin j'ai entendu ça, et je découvre que l'armée française et les parachutistes, qui étaient quand même l'élite torturée, alors là c'était impossible, et à ce moment-là est arrivé un officier qui venait nous expliquer l'armée, etc., le pauvre, il n'est pas resté longtemps dans la classe parce que, il a compris qu'il s'adressait à des gens qui étaient en révolte contre l'armée. Donc tout ça, il y avait cette idée de l'adjudant buté. Alors je ne vais pas vous citer tous les films à l'époque qui existaient, et même si je prends par exemple Charlie Hebdo, le grand Duduche, c'était vraiment la caricature de l'armée. Non, l'adjudant Cronenbourg. L'adjudant Cronenbourg, voilà, plus alors... Mais c'est plus ancien, parce que je vous rappelle qu'il y avait le sapeur Camembert et le sergent Biture. Ah ça, oui, le sergent Biture. Eh oui, relisez le sapeur Camembert, un des principaux chefs qui passe son temps à le martyriser du sapeur Camembert, c'est le sergent Biture. Voilà, non, mais alors, ma génération, elle a baigné un peu là-dedans. Oui, mais c'est même plus ancien quand même, parce que Biture, ça fait un moment. Oui, alors là, non. Et il y avait cette fameuse chanson, je crois que c'était Maxime Le Forestier, Parachutiste. Ah bah oui. Parachutiste. Qui a eu un succès après 68, absolument, chanter ça. Alors, en fait, on est très ignorant des transformations de l'armée depuis ce temps-là. C'est-à-dire qu'il est arrivé de donner des conférences diverses, et j'étais très surpris, beaucoup de ma génération, il y avait un arrêt sur image. J'appelle pas autrement, c'est-à-dire qu'ils restaient avec cette image de l'armée extrêmement réductrice. Alors que, j'aimerais que vous nous en parliez, il y a un article de Jean-René Bachelet qui s'appelle « Désobéir, droit et devoir, une orientation constante depuis un demi-siècle », ce qui fait quand même que l'armée a considérablement changé, et qui dit « Le droit et le devoir de désobéir est aujourd'hui dans l'armée française une donnée à la fois réglementaire et culturelle bien ancrée ». Et ça, c'est quelque chose... Alors, j'aimerais que vous nous disiez un peu plus sur ce point. Et puis ma question est la suivante, mais vous l'avez en partie traitée, à propos de l'obligation, comment devient supportable l'obligation de tuer. La mort acceptée devient ainsi une sorte de caution expiatoire. Elle est intimement liée à l'éthique militaire et fonde la vertu de l'héroïsme, comme elle amène naturellement à considérer que la mort doit être donnée le moins possible, dès lors qu'existe une sorte de symétrie déontologique entre la vie d'un ennemi et celle d'un ami. Alors je voulais vous poser la question sur cette notion de caution expiatoire et la question, je dirais, de la symétrie déontologique entre la vie d'un ennemi et celle d'un ami. Pour être plus précis, est-ce que, je ne vais pas reprendre Malraux qui disait « faire la guerre sans l'aimer », mais il y avait aussi la fameuse formule « la guerre sans haine ». Est-ce que c'est possible en situation d'action ? Et je vais relier cette question à ce que vous avez écrit par ailleurs, à propos du paragraphe dans un de vos articles, de vos textes qui est paru dans Le Soldat du XXe siècle. Le paragraphe s'appelle « Maîtriser sa violence », vous l'avez déjà indiqué. Je le répète, c'est en réalité le surgissement de l'animalité que résulte le plus profond de nous-mêmes qui nous pousse en avant. Et ce qui peut avoir une dimension abjecte et moralement insupportable, d'une certaine façon. On peut même arriver, dites-vous, au plaisir de la vengeance, vous en avez parlé, à la jouissance de tuer, selon la moindre considération d'efficacité tactique. Prendre conscience de son animalité dégoûte de soi-même, et vous ajoutez ceci, je ne peux donner aucun moyen sûr ni décrire de procédé avéré pour parvenir à la maîtrise de ce dérèglement extrême du comportement. J'ai simplement expérimenté qu'il ne peut s'agir
que d'une maîtrise collective. J'aimerais que vous reveniez sur cette question de maîtrise collective par rapport à cette, j'allais dire, cette part sauvage qu'on ne peut pas éradiquer, même si aujourd'hui nous avons dans la société nombre d'éradicateurs dans tous les domaines, où la violence est mise de côté, elle n'est pas acceptable, on pourrait dire presque un angélisme éradicateur, où le mal ne doit pas exister. Or là, on est confronté précisément à ces pulsions, vous l'avez été directement, et je trouve que c'est un témoignage que vous avez donné qui est très très fort de ce point de vue-là. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, j'allais dire. Alors d'abord sur l'exercice de l'autorité. D'abord, je l'ai dit, en reprenant la formule du général Lagarde, l'initiative au combat est la forme la plus élaborée de la discipline. Comment vous dire les choses ? Quand on donne un ordre, quand on rédige un ordre pour un régiment au combat, pour une division, pour une brigade, ce qu'on appelle un ordre initial, c'est un ordre qui, normalement, est prévu pour une phase de 3 jours de combat. Cet ordre, c'est un ordre qui commence par, c'est très formaté, par dire ce qu'est la situation générale, puis rappelle la situation des amis, que fait la division d'à côté, le régiment d'à côté, que fait le corps d'armée, etc. Puis donne une appréciation de ce que va faire l'ennemi. Donc on décrit l'ennemi, ça s'appelle l'impression sur l'ennemi. Et puis on dit, ben voilà, il va arriver à tel endroit, tel moment, avec tel moyen, puis ensuite il y aura telle chose, et puis il a sans doute tel objectif. Et pour atteindre cet objectif, il pourrait faire soit comme ça, en allant chercher telle partie de terrain, puis telle autre, etc. Et puis une fois qu'on a dit ça, on dit, voilà l'ordre que j'ai reçu, et voilà l'ordre que je vous donne. Et cet ordre-là, c'est toujours afin de, je veux, c'est ce qu'on appelle l'intention. Et ensuite, pour remplir cet ordre-là, je vous donne des missions. Et je donne à tous les régiments qui me sont subordonnés des missions. Pour un temps 1 de l'action, pour un temps 2, pour un temps 3. Plus le temps s'élève, c'est une journée à chaque fois, un temps à peu près. Moins les missions sont précises, évidemment. Tout cela, en réalité, n'est qu'un exposé des motifs. En fait, c'est le contraire de la façon dont on commande partout. D'abord, commander, c'est demander avec. Demander avec. C'est ça, commander. C'est pour ça que j'ai horreur de cette expression de management, parce que c'est caca boudin. Le commandement, c'est ça. C'est d'abord l'exercice d'une forme de conviction. Et comme on pratique l'humilité, quand même, c'est une forme de conviction qui passe par l'exposé des motifs. Voilà ce que je comprends. Voilà mon raisonnement. Et voilà donc ce que je vous demande de faire. Et ça, c'est présenté dans ce qu'on appelle une conception. C'est-à-dire, c'est pas l'ordre définitif. C'est un pré-ordre, un brouillon d'ordre, qui fait quand même 10 pages, qui est envoyé aux subordonnés, lesquels ont un certain temps, vont faire la même chose vis-à-vis de leurs propres subordonnés, et ont un certain temps pour dire, bah, écoutez, je ne suis pas d'accord. Non pas, je ne suis pas d'accord moralement, mais vous m'avez demandé de passer telle rivière à tel moment, ou d'interdire le franchissement de telle ville par tel ennemi à tel moment, mais vous n'avez pas vu que, un, j'ai pas la possibilité de le faire parce que, et puis vous n'avez pas noté qu'à côté il y a une incohérence parce que, etc., etc., et je propose plutôt de prendre tel voilà. Et donc s'établit ce qu'on appelle un dialogue de commandement, d'abord dans l'exercice du combat. Je dialogue et j'offre, par l'obligation qui est faite de donner une conception avant de donner l'ordre définitif, ce temps au dialogue, à tous les subordonnés. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est raccourcir ce qu'on appelle le cycle d'élaboration des ordres. Parce que tout ça prend du temps. Le général donne ça à ses colonels, le colonel donne ça à ses capitaines, le capitaine donne ça à ses lieutenants, et donc ça prend beaucoup de temps. Et donc on fait tout ce qu'on peut par des moyens de transmission électronique, par des moyens d'ordre graphique, par des tas de moyens possibles et imaginables, de permettre de conserver ce dialogue indispensable, qui nous garantit qu'on ne va pas demander des choses aberrantes à nos subordonnés, qu'on respectera la vision de terrain qu'ils ont, qu'on comprendra ce que sont leurs hésitations. C'est l'anti-technocratie. On a le sentiment d'un commandement très vertical et très surplombant, alors qu'en réalité, c'est un commandement au plus près qui se soucie le plus possible des réactions de terrain et des possibilités qui sont offertes par le terrain et donc des gens qui sont à la base. Donc ça, c'est quand même...
la base de la philosophie de la transmission des ordres dans les armées, qui est un commandement qui demande aux subordonnés de participer, qui demande leur avis aux subordonnés. Alors ensuite, il y a une autre exigence, parce que le général Bachelet a raison de dire que d'abord, la loi nous interdit d'obéir à un ordre manifestement illégal, et l'ordre illégal ne nous exonère pas de notre responsabilité devant des tribunaux. Voilà. Et c'est quelque chose qui est la judiciarisation des opérations militaires est quelque chose de plus en plus important et qui pèse de plus en plus jusqu'au petit niveau. Et ne serait-ce que parce que vous parliez de l'embuscade d'Ouzbin en 2009, des morts qu'on a eues, c'est les familles qui portent plainte. Oui. Oui, c'est les familles qui portent plainte et qui disent « mais le lieutenant n'a pas donné le bon ordre au bon endroit, etc. » Donc il y a quand même un poids de cette judiciarisation qui est important. Voilà. Alors que, bon, il y a quand même des hasards de la guerre aussi, il y a plein de choses. Mais au-delà de cette désobéissance, il y a aussi ce qu'on appelle la discipline intellectuelle. Alors ça, c'est un truc qui est spécifiquement militaire. Je rappelle ce que c'est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de militaires dans la salle. C'est le fait que, même si vous êtes persuadé que ce qu'on vous demande de faire est aberrant, pas moralement condamnable, là, à ce moment-là, vous devez ne pas l'accepter, mais est aberrant sur le plan tactique, eh bien, vous devez l'exécuter avec la même rigueur, avec le même enthousiasme, avec la même énergie, que si c'était un ordre dont vous étiez persuadé qu'il était génial et que c'est vous-même qui l'aviez conçu. Mais vous voyez bien que cette exigence de discipline intellectuelle qui est très difficile à accepter, mais qui, si elle n'était pas mise en œuvre, romprait l'harmonie générale et la cohérence globale de la manœuvre. Elle est très difficile et elle présuppose un dialogue de commandement extrêmement fort. C'est-à-dire que tant que l'ordre n'est pas donné, le subordonné a le devoir d'aller contredire l'ordre. Moi, c'est ce que j'ai toujours pratiqué à tous les niveaux, y compris avec le président de la République. Alors que le président de la République, c'est simple, parce que quand vous êtes en train de dialoguer avec un civil qui est votre chef, il est évidemment très attentif à ce que vous allez lui dire. Mais au sein de l'armée, ça se pratique de façon constante. Donc ça explique un mode de commandement, un mode de relation hiérarchique qui n'a absolument rien à voir avec les caricatures qu'on en a, mais strictement rien à voir. Voilà. Par ailleurs, vous savez, je suis visiteur de prison depuis un an. Je suis très très frappé par une maladie de notre fonction publique et de notre administration générale, qui est l'esprit de caste. Si vous êtes gardien de prison, vous n'êtes pas conseiller d'insertion et de probation. Si vous êtes conseiller d'insertion et de probation, vous n'êtes pas directeur d'administration pénitentiaire. Et chacun a son rôle, et il n'est pas question qu'on demande à celui d'en dessous de s'élever au-dessus de sa condition, qu'on l'associe à ce qu'on voudrait faire, qu'on lui demande son avis. Ce qui veut dire que quand vous allez dans les prisons, vous voyez des gens qui vivent en permanence au contact des détenus, qui sont les gardiens, et qui n'ont absolument aucun rôle, strictement aucun rôle, on ne leur demande jamais leur avis, dans l'insertion du prisonnier, dans ce qu'il va faire après, etc. Voilà. Parce que c'est la caste. C'est invraisemblable. Pour un militaire, c'est invraisemblable. C'est comme si vous disiez à un sergent qui commande 10 hommes, je ne vous demande pas de vous occuper de la gestion de carrière de vos subordonnés. Mais parce que c'est la direction des ressources humaines du régiment ou de l'armée qui va le faire. Mais non, bien sûr. Il n'est pas question qu'on gère ce bonhomme sans avoir l'avis du sergent qui va même demander à ses caporaux qu'est-ce que tu penses du soldat untel et du soldat untel et du soldat untel, qui va aller voir le soldat untel, qui dit qu'est-ce que tu voudrais faire, qu'est-ce qui t'intéresse, etc. Donc je trouve une différence entre ce que j'observe du monde civil, ce que j'ai compris du monde de l'entreprise dans certains cas, et les armées, qui est fondamentale. Je vous recommande la lecture d'un texte qui est remarquable, puisque c'est moi qui l'ai rédigé avec le colonel Ballerin, qui s'appelle « Exercice du commandement dans l'armée de terre ». Vous verrez. Parce que vous ne pouvez pas demander quelque chose d'aussi extrême à un homme que d'aller tuer quelqu'un au risque de sa propre vie, si vous n'avez pas ce souci de sa compréhension, ce souci de son intelligence, le respect de ça. Voilà. C'est pour ça que les militaires n'ont pas de mérite à être comme ça. Et je ne veux pas nous présenter comme des gens extraordinaires, je dis que c'est comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement, en réalité.
Voilà. Voilà le commandement, voilà la désobéissance. La vraie désobéissance, encore une fois, il y a une contestation de l'ordre dans un cadre qui est réglementaire, qui est prévu pour ça. C'est ce qu'on appelle le dialogue de commandement. Ensuite, il y a l'exigence de l'obéissance, mais avec intelligence. La seule vraie raison qui conduit quelqu'un à refuser d'exécuter un ordre et qui s'affranchit de la discipline intellectuelle, c'est des raisons d'ordre moral et éthique. Vous dites la guerre sans haine, ben c'est ce que je vous ai dit, la torture, le livre d'Alec. Bon. L'exemple que je vous cite sur le Rwanda, quand j'ai raconté cette histoire-là, la première fois c'était dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne devant des éducateurs, des profs, etc. J'ai senti qu'ils étaient d'accord avec le chef de section, qu'il fallait flinguer le mec. Quoi. Ouais, voilà. Tout le monde disait, mais c'est parce que j'avais pris plus de temps à le raconter. Voilà. Parce que vous êtes tous des violents. Nous le sommes tous. Et nous sommes tous des primaires. Et nous sommes tous des gens qui peuvent être tentés de venger. Et qui sont tentés de dire, lui, c'est un très, 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 très vilain. Voilà. Donc, moi, je pense que précisément, et c'est pour ça que l'affrontement militaire qui reconnaît l'ennemi comme un être de dignité égale à la nôtre est quelque chose qui nous conduit, en tout cas dans la culture militaire française, à respecter l'ennemi et à faire le moins de morts possible. Ça, c'est très clair. C'est de ce point de vue une culture très différente de la culture américaine. Très différente de la culture américaine, mais parce que je pense que les Américains sont une nation fondée sur un traumatisme de violence qui est la guerre de sécession. Ouais. Ah. C'est les colonnes de Sherman qui vont éradiquer le mal. C'est pour ça que je trouve ça horrible quand on me dit on va éradiquer les terroristes. Mais c'est... Non, parce que même si notre objectif et notre but et notre finalité c'est de faire de la guerre, il y a quand même une finalité qui est la paix. Donc vous ne ferez pas de paix si vous ne faites pas de paix entre des gens qui acceptent à un moment de se reconnaître et de se respecter. C'est impossible. Donc, la guerre sans haine, c'est une réalité, sauf que effectivement, dans le cœur du combat, vous avez peur. Et comment est-ce qu'on vainc la peur? Alors, je suis en train d'écrire là-dessus, j'espère que vous achèterez tous mon bouquin quand il paraîtra. Je ne sais pas quand il va paraître, mais plus spécifiquement sur la peur. La peur, elle s'insinue en vous. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu vraiment peur, on essaye d'entraîner les gens à leur peur et à maîtriser leur peur. Donc, on fait des exercices dans l'armée. On envoie des gens en centre commando, on les pousse à dépasser des obstacles. Voilà. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est la peur du vide. Donc, et la peur de... Du vide. Le vertige, la peur du vide. Du vide. On vous fait franchir des précipices sur un câble en acier. On vous fait vous jeter sur un poteau qui est à 1,50 m dans le vide pour attraper le poteau et descendre en bas. Ça s'appelle l'asperge. Voilà. Donc c'est la peur du vide. Bon. Moi, j'ai jamais eu peur du vide, donc ça m'a jamais fait peur. Quoi. Parce que la seule vraie peur, c'est la peur de sa propre mort. C'est celle-là qui est terrible. Et ce que j'ai expérimenté, la première fois que j'ai vraiment eu peur, c'était... alors que j'allais à la guerre du Golfe. On était sur un paquebot de croisière, des ferries de Méditerranée, là, les trucs de Corse, luxueux, avec de la moquette partout, c'était très sympa. On traversait le détroit de Messine, on regardait les rivages, c'était très beau. On était en survêtement parce qu'il fallait pas salir la moquette du bateau, enfin c'était un peu... c'était un peu surréaliste. Et puis il fallait quand même qu'on se prépare à aller au combat. On était dans des cabines climatisées de 2 ou 4, avec douche intégrée. Enfin, c'est un paquebot, quoi. C'est croisé, hein. Alors qu'après, on allait dans le désert à 12 par tente. Enfin. Et puis quand même, il fallait qu'on se prépare et on s'était dit on va réviser les cours de nucléaire biologique chimique. Parce que les Irakiens avaient du chimique, qu'ils avaient l'intention de l'employer, qu'il y avait du neurotoxique en face. Le neurotoxique, c'est absolument horrible. Et donc il fallait qu'on révise les procédures pour se protéger, pour réussir à nettoyer, décontaminer l'ensemble du personnel et des matériels.
Et puis moi, j'étais en charge plus spécialement de faire ça pour ma compagnie. Et donc, on nous avait réunis dans le bar luxueux de Sferi, là, pour réviser toutes les procédures, le calcul du vent, le calcul du gradient, la zone qu'il faudrait marquer pour éviter de la traverser, enfin, des choses très techniques. Bon. Et puis, on étudie ça, et puis, très bien, je révise mes cours, et puis je reviens à ma cabine, et là, j'ai commencé à avoir la trouille, parce que je me souvenais des cours de NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, que j'avais eu à Saint-Cyr, et je revoyais les films des gens gazés pendant la guerre qu'on nous montrait, je revoyais la bave aux lèvres et je me suis dit, mais c'est horrible, quoi. C'est-à-dire que brutalement a commencé à s'insinuer en moi, à cause de ces images, le sentiment de ma propre mort possible. Donc ça, contre cette peur-là, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut vivre avec, il faut essayer d'éviter qu'elle vous envahisse. Mais ensuite, il y a le moment de l'action. Et le moment de l'action, c'est un moment où vous y allez au bluff, quoi. Et précisément là, on a eu des attaques de neurotoxiques. C'était pas des attaques de neurotoxiques, en fait les Américains avaient bombardé des usines de neurotoxiques irakiennes, et il y avait un nuage de neurotoxiques qui est passé sur la division et qui a fait réagir les sondes qui permettaient de... Alors c'était en quantité infinitésimale, donc en réalité on ne courait pas de risque, mais il fallait quand même faire les tests. Et puis une fois qu'on avait fait les tests qui montraient que il n'y avait pas vraiment de neurotoxiques, sauf que la sonde continuait à faire bip bip, il fallait bien qu'il y ait un crétin qui enlève son masque à gaz. Voilà. Et enlève ça, on avait des tenues de protection complètes. Et je me souviens des soldats qui étaient la figure collée au hublot du VAB, en train de, eux, VAB pressurisé, donc, et qui regardaient le moment où j'allais enlever mon masque. Et moi, j'étais, mais tétanisé de trouille. Au bout d'un moment, je dis, allez, pff, j'y vais. Voilà. Mais le pire, c'est l'assaut. Voilà. C'est quand vous savez que ce qui va se passer. Ça va être épouvantable. Parce que vous avez. Que vous mettez les baïonnettes au canon. Que surtout, ça commence à claquer devant vous. Nous, on était dans une tranchée qui nous arrivait là. Donc, on voyait des impacts de 14-5. Mais c'est une grêle terrible devant vous. Et là, pour y aller, la seule façon d'éviter la tétanie complète, la paralysie, c'est une sorte de surgissement, une chose épouvantable en vous, une espèce de bulle qui crève et pof, voilà. Et une fois que ça s'est lancé, ça s'auto-alimente. Et c'est ce qui vous donne la force d'aller en avant. Et vous voyez vos soldats tomber à côté de vous. Et donc, ça, c'est aussi un carburant qui entretient votre détestation de l'ennemi, cette haine, et qui vous fait jouir, en tout cas vous jouissez quand il tombe. Voilà, donc c'est quelque chose de difficile à raconter, de très dur après, parce que vous comprenez ce que vous avez au fond de vous, et je pense pas être pire que n'importe lequel d'entre vous. Et alors j'avais fait l'expérience de la peur avant, à Daguet, parce qu'on avait monté un assaut, j'avais fait l'expérience du Rwanda, j'avais fait l'expérience de la Somalie aussi, voilà. Mais quand même, et donc comment est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête parce qu'on est ensemble, voilà. Et parce que, de la même façon que ça vous aide à ne pas montrer votre peur, parce que vous savez que le chef, s'il monte sa peur à ses soldats, va arrêter tout le monde. De la même façon, vous voyez dans le regard de vos hommes le besoin que leur chef ne soit pas une espèce de brute déchaînée. Et que ce qui vous retient, c'est le regard des autres. Et qui vous fait vous regarder vous-même. Et comprendre ce que vous êtes en train de faire et devenir. Voilà. Bien, écoutez, merci en général. Il nous reste à peu près 20 minutes pour les questions. Le sujet est vaste et les questions peuvent être très nombreuses. Je vous demanderai, excusez-moi, de faire assez court. Je sais que chacun a une expérience différente de l'armée, d'autres n'en ont pas. Et
de s'articuler dans vos questions à ce qui a été dit. Je crois que chacun a une expérience intéressante à dire, il y a sûrement beaucoup de choses à dire, mais je vous demanderai d'être assez concis, puisqu'on a reçu beaucoup de questions, donc on les a un peu déjà en partie traitées. Donc je vais en prendre quelques-unes jusqu'à 17h, puisque nous devons rendre la salle autour de 17h. Allons-y, oui. Première question ici, ensuite il y en a une deuxième. Laurent Allier. Laurent Allier, vous avez la parole. Est-ce qu'il n'y a pas de solution de continuité entre le nucléaire, vous avez assez peu parlé, et disons la DOT, c'est-à-dire... La DOT, Défense opérationnelle du territoire. Parce qu'on a l'impression maintenant d'être dans une armée de corps expéditionnaires. Je me laisse un mauvais souvenir, vous avez évoqué... 1870, où il ne manquait pas un bouton de guerre, et on était parti en Crimée, en Mexique, en Italie, et tout ça, en Algérie. Et maintenant, le nucléaire, c'est une arme politique, par définition. Alors, on a la chance d'avoir un président de la République qui est chef des armées, ce qui n'existe pas dans d'autres pays. Ni aux États-Unis, ni en Allemagne, ni en Europe. Aux États-Unis, ça existe. Hein. Comment faire prendre conscience qu'il y a un concept de sécurité qui peut être résolu par l'arme de la dissuasion, à la limite. Puisque, quel est le seul? Où sont les lignes rouges? Ça, c'est une question. Oui. Alors, ça c'est une très bonne question, bien sûr. D'abord, les lignes rouges, il ne faut jamais les lire. Il ne faut jamais dire les lignes rouges qu'on fixe. D'ailleurs, vous verrez que dans la dissuasion nucléaire, on ne fixe jamais les lignes rouges. On dit simplement les intérêts vitaux, mais on se garde bien de fixer les lignes rouges. Il faut savoir quand même qu'à la glorieuse époque de la guerre froide, l'armée de terre avait un rôle assez particulier. On a fait croire, y compris au colonel Thiéblemont à l'époque, que l'armée de terre devait gagner les 3 jours depuis la frontière tchécoslovaque jusqu'à la frontière française, en retardant l'ennemi, se battant sur chaque coupure humide, dans chaque ville, le temps nécessaire pour que des négociations puissent être conduites entre les politiques des deux bords, entre le pacte de Varsovie et l'OTAN et la France, et avant qu'on ne recoure à l'époque à ce qu'on appelait l'arme nucléaire pré-stratégique, qui était l'ultime avertissement, c'était l'arme nucléaire tactique du champ de bataille qu'on employait comme ultime avertissement. Et donc l'armée de terre, elle était là pour gagner ces 3 jours. La réalité, c'est que ce n'était pas le seul rôle de l'armée de terre. La vérité, c'est qu'il fallait faire tuer suffisamment de soldats pour rendre crédible dans ce calcul de bluff absolument incroyable, pour rendre crédible le fait que le président d'un pays démocratique comme la France aurait la légitimité suffisante pour recourir à l'arme nucléaire. Et qu'il fallait donc que la perspective qu'un nombre suffisant de jeunes Français soient morts dans ces 3 jours de combat rende plausible ce recours. C'est, en fait, il y avait une fonction victimaire de l'armée de terre. Ce qui était théorisé par les gens qui bâtissaient la doctrine de dissuasion nucléaire. Bon, Dieu merci, ça ne s'est pas passé, mais c'est aussi pour ça qu'il fallait que ce soit des jeunes Français, au-delà du nombre, des jeunes Français appelés du contingent, et pas des soldats professionnels. Ce qui est évidemment très différent. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a une solution de continuité, vous avez parfaitement raison. Le vrai risque, ce serait que la France, en particulier, qui est le seul acteur nucléaire de l'Union européenne, le seul acteur nucléaire de l'OTAN, réellement autonome et indépendant, j'ai évoqué la Grande-Bretagne tout à l'heure, le risque serait que la France renonce à toute autre capacité et se concentre sur le nucléaire uniquement. C'est une tentation constante, d'abord parce qu'elle a conservé une compétence qui est extraordinaire dans ce domaine-là, que par ailleurs, il y a une intrication étroite, c'est ce qu'on appelle l'œuvre commune, entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil, et que nous sommes une grande nation nucléaire, qu'on le veuille ou non.
et que je pense d'ailleurs que c'est une des chances d'avenir pour notre pays, et que cette intrication très étroite entre nucléaire civil et nucléaire militaire rend difficile d'abandonner l'un sans fragiliser l'autre. Et que c'est ce qui justifie, aux yeux de la communauté internationale, le rang particulier de la France, en particulier sa présence comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Et donc face aux coûts que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont des coûts très croissants, et face à l'énorme marche qu'il faudrait franchir, ou qu'il faut franchir pour revenir à une armée suffisamment équipée et de masse suffisante pour faire face à un ennemi, et avec des réserves suffisantes pour faire face à un ennemi dans une guerre ouverte, et face au coût du nucléaire, le risque pourrait être qu'on néglige l'un au profit de l'autre. Et donc c'est un risque constant et c'est un souci constant des présidents de la République successifs et des chefs d'état-major des armées successifs qui veillent à préserver ce qui est absolument indispensable, parce que si nous n'avions que le nucléaire, vous avez raison, c'est même plus une solution de continuité, c'est du tout ou rien. Et il ne peut pas y avoir du tout ou rien, en réalité. On le voit bien aujourd'hui, le tout ou rien, il y a la guerre en Ukraine et Poutine n'emploie pas le nucléaire. Et aucun des membres de l'OTAN n'a dit qu'il emploierait le nucléaire. Donc il y a quand même des niveaux de confrontation dans lesquels la guerre paraît légitime, elle est acceptée par les peuples qui les mènent, et qui permettent de ne pas passer tout de suite au cataclysme épouvantable du déchaînement du feu nucléaire. Et ça, je pense que c'est important, mais c'est vrai que c'est un équilibre qui est difficile à trouver, très difficile à trouver. Oui. Après, ce sera Véronique. Tout d'abord, merci Mona pour cet exposé absolument passionnant. J'avais deux questions. Une question concernant la vocation militaire. Est-ce qu'elle est aujourd'hui aussi importante qu'avant? Est-ce qu'il y a un problème de recrutement ou non? Compte tenu évidemment de ces exigences que vous avez exposées, qui ne sont pas forcément toujours compatibles avec, je dirais, l'éducation des jeunes générations. Et par ailleurs, une question plus technique, vous avez évoqué le lien qu'il y a entre le président de la République et le chef d'état-major des armées. Qu'en est-il du chef d'état-major particulier du président de la République? Quel est son rôle dans ce lien entre les deux? Je vous remercie pour ces très bonnes questions. Le lien entre le président de la République et le chef d'état-major particulier est évidemment très fort. Mais le chef d'état-major particulier, qui a une part très importante dans la dissuasion nucléaire, n'est qu'un conseiller. Le chef d'état-major des armées est le chef d'état-major des armées. Donc celui qui, au quotidien et dans l'entourage du président de la République, c'est le chef d'état-major particulier, qui par ailleurs a une fonction de coopération constante très étroite avec le Sherpa du président. Mais ce n'est pas lui qui engage sa responsabilité lorsque les décisions sont prises et qu'elles doivent être mises en œuvre. En revanche, ce qui est absolument indispensable, c'est qu'il n'y ait pas une feuille de papier à cigarette entre les deux. Parce que, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé avec l'amiral Rogel, et c'était extrêmement précieux. Il faut que ce que dit le chef d'état-major des armées soit relayé, expliqué, argumenté dans le même sens par le chef d'état-major particulier, sinon c'est absolument terrible. Sachant que ce que dit le chef d'état-major des armées, c'est pas lui qui le dit. Le chef d'état-major des armées, il a une force, une puissance, et qu'il a un état-major de 500 ou 400 officiers. Et que par ailleurs, cet état-major s'appuie sur les avis des états-majors d'armée. Donc vous n'arrivez pas tout seul avec une idée de génie que vous avez eue un matin en disant « tiens, on va faire ça ». Ou non, monsieur le président, c'est complètement crétin, il n'est pas question de faire ça. C'est des positions qui sont très argumentées. Et d'ailleurs, dans l'argumentation et en cours de préparation de l'argumentation et de la réflexion, on associe évidemment le chef d'état-major particulier, le président de la République, de façon à ce qu'il comprenne bien ce qui se passe. Je dirais que c'est ça la grosse différence et la force principale. Mais c'est vrai que le chef d'état-major particulier a une responsabilité éminente. Mais il est chef de l'état-major particulier, mais en réalité, il n'a pas de fonction de commandement. Voilà. L'autre question, pardonnez-moi, c'était... Vocation. Alors là aussi, il faudra que vous lisiez mon livre, parce que je fais un chapitre sur la vocation. D'abord, je suis frappé, moi, de voir qu'on continue à recruter. Nos écoles d'officiers ont toujours le même taux de sélection, qui est assez important, qui est du 1 sur 8.
la sortie de classe préparatoire pour toutes les écoles militaires, avec d'ailleurs un regard d'intérêt. Quand j'étais chef d'état-major des armées, on avait 9 polytechniciens qui, à la sortie de l'IX, sont rentrés dans l'armée de terre, qui est pas mal quand même. Donc on a un taux de sélection important, on recrute énormément, je crois que pour l'armée de terre c'est 14 ou 15 000 jeunes hommes par an, et pour l'ensemble des armées c'est 20 à 25 000 par an, puisque nous sommes des armées à flux, avec une armée qui a besoin d'être jeune, et qui donc passe son temps et consacre énormément d'efforts à la formation initiale, à la formation spécialité et ensuite à la reconversion des soldats. Donc en réalité, ça demande un effort constant, mais c'est ce qui donne la dynamique des armées, d'ailleurs. Ça, c'est très... Et on n'observe pas de baisse de la vocation. Moi, ce qui me frappe, c'est que on pourrait penser que la société est ramollie, ou qu'une sorte d'ambiance émolliante qui fait que... En fait, tous les jeunes gens que j'ai rencontrés qui viennent dans les armées sont des gens qui veulent s'éprouver. Et qui se fixent l'objectif d'affronter des choses dont ils savent qu'elles seront exigeantes et de se prouver à eux-mêmes quelque chose. Ce qui, je crois, est le ressort d'une vocation. Et ils savent qu'ils vont trouver dans les armées cette possibilité de se dépasser, de se confronter à quelque chose qui exigera d'eux, qu'ils ne pourraient peut-être pas exiger eux-mêmes. Mais je me mets dans cette catégorie-là. Et je pense que c'est pour ça que les armées, parce qu'elles représentent des contraintes, des duretés, sont par essence un métier de vocation. Et ce qui me rassure, c'est qu'on a toujours autant de jeunes gens et de jeunes femmes dans notre pays qui veulent se confronter à ces exigences. Oui. Oui, merci de votre intervention qui a vraiment bien clarifié le rôle que peut avoir une armée dans une société démocratique. Et je voulais vous demander justement, est-ce que en ce moment, avec la guerre en Ukraine, on a beaucoup de généraux sur les plateaux, de même qu'au moment du Covid, on avait beaucoup de médecins. Et alors, est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ces interventions de militaires haut placés? Est-ce qu'ils contribuent à un rapprochement entre les civils et l'armée? Même s'ils ont souvent des appréciations assez différentes sur la situation et ce qu'il faudrait faire. C'est une question piège. Tout de suite, il y a des gens qui vont regarder les vidéos et vont dire ce salaud, il nous a flingué. Comment vous dire les choses? D'abord, je suis pour le droit d'expression, même si André Thiéblemont pense le contraire. J'encourage l'expression publique des militaires, je l'ai toujours fait. Et la revue Inflexion qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Pierre Le Goff a été créée pour ça. Je vous recommande de vous abonner, c'est une magnifique revue. On va gagner quelques... Donc je suis pour l'expression publique des militaires dans le respect du statut militaire. Avec en particulier ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le respect de l'apolitisme. Je n'ai pas à vous dire si je suis de droite ou de gauche, si je vote pour Marine Le Pen ou pour Jean-Luc Mélenchon. Ça ne vous intéresse pas. Et je mets au défi quiconque de savoir pour qui je vote en réalité. Et je pense que c'est très bien ainsi. Et que donc les gens qui dévitent cela, à mon avis, ont tort. Ensuite, je pense que pour s'exprimer publiquement, il faut être compétent, bien sûr. S'exprimer sur les sujets pour lesquels on a une compétence avérée. Et des connaissances fraîches. Moi, je suis incapable de m'exprimer sur la guerre en Ukraine parce que je ne suis plus chef d'état-major des armées depuis un an et demi, un peu plus. Donc je n'ai pas accès aux synthèses de renseignement de la direction du renseignement militaire. Je n'ai pas accès à... Je peux avoir une opinion qui sera peut-être un peu plus informée que la vôtre, bien sûr. Mais pas tant que ça. Donc je pense que les gens qui s'expriment s'exposent à ce risque. Alors il y en a qui le font très bien, mais c'est difficile parce qu'il faut qu'ils aillent chercher des renseignements et qu'ils puissent commenter, la tactique sur telle partie du front, avec tel type de matériel, tel type de... Mais ça demande d'avoir beaucoup d'aller à la pêche aux renseignements et d'utiliser ce qu'on est capable d'utiliser comme capacité d'analyse.
Voilà, donc je ne suis pas persuadé que tous les généraux qui interviennent aient cette possibilité, le temps à y consacrer ou la capacité de le faire. Maintenant, ils s'expriment, c'est très bien qu'ils s'expriment. Enfin, la dernière chose, c'est qu'il n'y a rien de plus dur que de prédire l'avenir. Or, dans tous ces trucs-là, moi, chaque fois que je rencontre Café du Commerce, des amis, etc., ils me disent « Comment ça se passait? Qui va gagner ?» J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Comment voulez-vous que je vous dise ça? Le brouillard de la guerre, vous connaissez? Je peux faire des commentaires assez vagues, mais si, je peux faire des commentaires sur les stocks d'armes, sur les stocks de munitions, sur. Mais globalement, ce qui va se passer demain, je suis incapable de vous dire. Enfin, pas plus que n'importe quel commentateur de géopolitique qui fera des spéculations. Voilà. Donc le risque, c'est que comme vous êtes officier général, on pense que vous avez une compétence de Madame Irma, qu'en réalité vous n'avez pas. Ça serait si les généraux étaient des Madame Irma. Voilà. Voilà. Enfin, Moi, j'aime bien cette histoire du peintre Appel. Vous ne savez c'est une version latine qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais chez les Jésuites. Texte de Pline l'Ancien qui raconte l'histoire du peintre Appel. Qui était très connu dans l'Antiquité, qui avait une capacité de reproduction exacte de la réalité, ce qui était le comble de l'art à l'époque, absolument admirable. Et un jour, Appel est dans son atelier, il est en train de dessiner un athlète, et puis il se pose la question de la façon dont la lanière des sandales de l'athlète est nouée autour de sa jambe et autour de son mollet. Et comme il veut être très exact, il va voir il appelle le cordonnier qui est dans l'échoppe d'à côté, il dit « Viens, cordonnier ». Et le cordonnier vient et il dit « Ah ben non, vous êtes trompé, c'est pas comme ça, la lanière elle passe là et là ». Et donc scrupuleusement et très précisément, le peintre suit les conseils du cordonnier et reprend son dessin. Et puis le cordonnier, un peu enhardi par son succès, lui dit « Et puis le genou du mollet, le dessin du mollet est pas terrible, le genou est pas comme ça ». Et là tu dis « Pas plus haut que la sandale, cordonnier ». Pas plus haut que la sandale. J'ai envie de dire aussi « Pas plus bas que le genou voilà. ». C'est difficile. Donc moi je racontais ça à la ministre, au président de la République, en disant pas plus bas que le genou, parce que la sandale c'est moi, donc je suis capable de vous donner un avis que vous ne serez pas capable de donner, parce que je suis informé, et puis pas plus haut que la sandale, parce que il y a des choses que je n'ai pas compétence pour commenter. Voilà. Nessutor crepita. Vous connaissiez ça sûrement. Véronique Naumgrap, d'abord c'est une vieille amie, en plus elle a envie de... Alors moi je n'ai pas posé de questions, j'en ai répondu, mais quand même, comme souvent dans l'exposé, exposé formidable et moment formidable. Là, on a mis en perspective l'armée américaine avec tous ses défauts que nous n'avons pas et comment ils sont méchants, ils essayent d'empêcher que l'Europe soit autonome, etc. Et je me dis au fond, mais et l'armée russe, comment quelle serait la description du point de vue, non pas de. Oublions un peu le contemporain, mais de sa structure interne, de sa façon de. Voilà, de la question des ordres aussi, comment ça se passe. Parce que j'ai été frappée dans les commentaires, et moi j'applaudis les militaires qui ont le courage de venir et de donner leur opinion, même si c'est prennent leur risque, parce que sinon comment on ferait, et merci, je sais pas, à Goya, son blog. N'a-t-on pas été réveillé sur la mer russe? Qu'est-ce que c'est que cette structure? Voilà. Personnellement, je trouve que c'est une énigme. Merci Véronique. Bon, je suis d'accord avec vous, parce que le blog de Michel Goya, il est remarquable. Hein. Mais lui, il ne va jamais plus haut que la sandale. Hein. C'est-à-dire qu'il étudie, il cherche, il fait des comparaisons historiques, il parle de ceux qu'il connaît. Et il en parle très bien. Donc c'est toujours très utile de l'entendre. Et avec beaucoup de réserves et de précautions. Ensuite, l'armée américaine, je n'ai pas dit que c'était une vilaine armée. J'ai dit qu'ils avaient une culture de la mise en œuvre de la force qui n'avait rien à voir avec la nôtre. Et qui est sans doute aussi lié aux moyens dont ils disposent. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens d'écraser un ennemi avant d'aller voir au résultat ce que ça a donné. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Donc est-ce que c'est pour ça que nous avons une culture différente de la leur? Je n'en sais rien, mais ce qui est clair, c'est qu'ils emploient la force beaucoup plus que nous, de façon moins discriminée, moins discriminante, même s'ils font attention, bien sûr. C'est une armée extraordinaire de modernité, de compétences, mais voilà. Je vous avais raconté cette histoire à Daguet, où on arrive, dernier jour de la guerre, et
Et dans la nuit, juste avant que l'armistice soit signé, on était en face des Irakiens de la garde républicaine qui se repliaient le long de l'Euphrate. Dans la nuit, on voit un véhicule américain qui fonce vers le nord en zone ennemie. On essaye de l'arrêter, le mec ne s'arrête pas. Il s'était trompé de route, il ne savait pas qu'il y avait l'ennemi en face. Et au bout d'un moment, on voit le même véhicule, la nuit était tombée, c'était une demi-heure après, qui revient à fond vers nous, poursuivi par d'autres véhicules. Et là, on dit surtout, on ne tire pas dessus, on ne fait rien. On ne savait pas si c'était, ce que c'était, est-ce que c'était les Irakiens qui fonçaient dans le dispositif. On va voir, il va se casser le nez sur le début du dispositif, on avait fait un barrage avec des pierres, et puis après il y avait en as toute la compagnie qui était prête à le détruire si elle avait franchi ce premier barrage. Le véhicule arrive, il se tanque dans le barrage de pierres, on va au résultat, là il y avait un major américain avec le crâne ouvert, la cervelle plein d'habitacles, et à côté de lui un sergent américain traumatisé qui nous disent bah, en fait on s'était trompé de route, on ne savait pas qu'on arrivait sur la garde républicaine irakienne. On est tombé dans une embuscade, ils ont tout de suite flingué mon major, et puis moi j'ai fait demi-tour. Voilà. Quand les Américains sont venus chercher leurs soldats le lendemain, ils ont dit « mais c'est incroyable qu'ils soient en vie. C'est incroyable qu'ils soient en vie. Nous, on aurait vu arriver de nuit un véhicule dans notre dispositif, mais on aurait fait chaleur et lumière. Quoi. Ils seraient jamais... » C'est une différence de philosophie aussi quand même. Voilà. Mais ça implique aussi de penser des dispositifs différents. Parce que vous voyez bien que notre attitude n'était possible que si nous avions en profondeur, en échelon dans la profondeur, de quoi arrêter ce véhicule, c'est une première. Voilà. L'armée russe, en fait, elle est. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est-à-dire que c'est une armée qui est mal encadrée, parce qu'elle n'a pas de sous-officiers. Or, ce corps intermédiaire est absolument indispensable. C'est vrai de beaucoup d'armées des pays sous-développés. C'est ce que j'ai vu au Mali. Au Mali, ils n'avaient pas de corps de sous-officiers. Ils avaient des officiers ou des hommes du rang. Et c'est très difficile de ne pas avoir ces corps intermédiaires. Ensuite, c'est une armée qui n'a que peu d'initiatives, parce que ce n'est pas dans leur culture. Ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la façon dont on transmet un ordre, sur le besoin d'obéir dans l'esprit, sur la capacité à faire preuve d'initiative face à l'attitude de l'ennemi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la culture russe. Pas du tout. Par ailleurs, c'est une armée qui a fait des efforts incroyables depuis 15 ans dans des domaines de pointe très spécifiques. Ils ont fait des efforts énormes dans le spatial et des efforts énormes dans le cyber et des efforts énormes dans tout ce qui est activité sous-marine, contrôle des océans et des fonds sous-marins. Et là, ils sont inquiétants. Voilà. Ensuite, nous pensions qu'ils avaient une armée de terre qui était plus efficace, et nous avons découvert que, principalement à cause des défauts que j'évoquais là, une absence de corps d'encadrement intermédiaire et une absence d'initiative qui va jusqu'au très haut niveau, c'est-à-dire que avant d'arriver au niveau du général de brigade, vous ne prenez pas d'initiative personnelle, et bien ils ont été désarmés, très affaiblis face à un ennemi qui, lui, se battait en défensive, s'accrochait sur le terrain dans toutes les localités et était assez peu commandé. Et donc pouvait précisément, de façon très dispersée, gêner cette armée qui, elle, était très centralisée. Voilà ce qu'on peut dire de l'armée russe. En clair, on a quand même été un peu... On avait sans doute, comme à l'époque de la guerre du Golfe, où nous avions surestimé l'armée irakienne, on avait sans doute surestimé les capacités de l'armée russe, en tout cas de sa partie terrestre. Mais il faut se méfier, parce qu'ils ont encore une fois capacité à maîtriser les fonds marins et l'espace sous-marin, maîtriser l'espace et maîtriser le domaine cyber, qui sont des domaines de conflictualité de plus en plus importants, qui est très forte. Bien, la dernière question, puisque... Général, je voudrais savoir, selon vous, quelles sont les erreurs qui ont pu être commises côté français, qui ont abouti au rejet croissant en Afrique de la France. Et puis également, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que dans le... Moi, je travaille dans le monde politique, le fait qu'il y ait très peu d'esprit scientifique, ça peut avoir une incidence sur la prise de décision. Et je voudrais également apporter un témoignage, c'est que j'ai été impressionnée récemment, parce que j'ai donné une conférence à Poitiers, j'étais vraiment impressionnée par la maturité des élèves,
par leur sensibilité à tout ce qui concerne la patrie. Et j'y suis allée un peu avec une interrogation, parce que je considère que les sociétés occidentales, de manière générale, sont assez ramollies, avachies. Et j'ai eu face à moi plusieurs centaines d'élèves, et ça m'a impressionnée. J'ai très fière, très heureuse de vous avoir rencontré. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage d'abord. C'est la forme contraint le fond. Je viens d'avoir été reçu par M. Attal, qui était secrétaire d'État à l'Éducation nationale, en charge du service national universel, qui avait demandé si je pouvais venir le voir, parce qu'il souhaitait obtenir de moi que je donne mon accord pour que les gens du service national universel soient en uniforme militaire. Donc je lui ai dit qu'il n'en était évidemment pas question. Parce que l'uniforme avait un sens. Je lui expliquais aussi, je prends mon temps, vous me permettez, Jean-Pierre. Vous êtes pressé. C'est bon. Je lui expliquais des choses idiotes, par exemple, que quand on fait de l'ordre serré, quand on défile, ça a une vertu exceptionnelle, hein, le défilé. Pourquoi ? Parce que c'est un exercice de rigueur personnelle, il faut tenir droit, lever le bras à la bonne hauteur. Et surtout, tous les gens qui défilent s'alignent sur le plus mauvais. C'est-à-dire que tant que le plus mauvais continue à marcher à l'ombre, ne lève pas le bras à la bonne hauteur, etc., on continue. Et on continue tous. Donc ça crée de facto les conditions d'une solidarité forte. Parce qu'on n'a pas envie de lui taper dessus, on a envie de lui dire « bon, on va t'aider ». Voilà. Je disais aussi, c'est fascinant l'ordre serré. La première chose qu'on apprend quand on rentre dans l'armée, quand on faisait son service national avant, c'était saluer, se mettre en garde à vous, se mettre au repos. Et puis ensuite, on faisait des trucs élaborés, on faisait à droite, à gauche. Enfin, voilà. Et en fait, quand vous apprenez ça aux jeunes recrues, vous faites la démonstration, vous dites voilà l'ordre, voilà comment il est dit, et puis voilà ce que vous devez faire. Et bien, à vous, c'est comme ça. Et puis une fois que vous avez fait la démonstration, vous mettez les élèves deux par deux, les jeunes recrues deux par deux, et il y en a un qui est le moniteur, et l'autre qui exécute devant lui ce qu'il vient d'apprendre et qui reçoit les corrections de la part du moniteur. Et puis on inverse. C'est-à-dire que dès le départ, quand vous apprenez la chose la plus basique qui soit, vous restaurez la dignité de l'apprenant, parce qu'il est en même temps instructeur. C'est extraordinaire. Je ne connais pas d'autres institutions où ça se passe comme ça. Et donc ce que j'avais dit à M. Attal, c'est n'essayez pas de singer l'armée, mais inspirez-vous de ça, de ce que je suis en train de vous dire. Créez des conditions d'une solidarité effective, créez des conditions d'eux, etc. Et quant à l'uniforme, je lui avais dit, vous savez, est-ce que vous savez ce que c'est que l'uniforme, quoi ? C'est la chose que tout le monde porte. Du général au plus petit des soldats, on a le même uniforme. Le même drap dégueulasse, les mêmes chemises qui grattent, les mêmes chaussures qui ont l'air de rien. C'est vrai. La même tenue inconfortable, c'est la même pour tout le monde. Donc ça fait rigoler les gens. Mais c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas une entreprise, pas une institution où les gens aient tous la même tenue. Et d'aussi mauvaise qualité. Donc c'est... Ensuite, ce sont des marques qui permettent de, alors qu'on proclame l'égalité et le collectif, de distinguer ce que chacun apporte à cette collectivité, quelle est son histoire personnelle à travers ses insignes de grade, à travers les décorations qu'il a, à travers tout ça. Et ça aussi c'est très malin, donc il peut inventer un uniforme, mais pas un uniforme comme ça. Et puis je lui avais dit, en plus l'uniforme, il a quelque chose de très bien, c'est qu'il est contraint. Quand vous boutonnez votre vareuse d'officier ou de sous-officier ou de soldat, vous ne pouvez pas vous tenir comme ça. C'est pas vrai. C'est parce que vous êtes engoncé dans un machin inconfortable. Je me souviens d'avoir, quand j'étais père système de ma promotion, j'étais président de ma promotion, on m'avait demandé, il y avait le CIRPA, Service d'information de relations publiques, faisait un film de propagande sur CIR qui devait être passé dans les salles de cinéma en avant-première. Et il fallait que l'acteur qui incarnait le jeune Saint-Cyrien porte un grand uniforme. Il m'a dit danger, quoi, parce que faire porter un grand uniforme à quelqu'un qui n'est pas Saint-Cyrien, donc ils étaient venus me voir en me disant est-ce que c'est possible ? Bien sûr, ce serait sympa qu'on le rencontre après. Parce que le président de la promotion, c'est le gardien des traditions. Et donc on l'avait rencontré après, on avait discuté avec lui, avec la promo, et il nous avait dit, vous savez, c'est extraordinaire, parce que c'est un type qui avait 22 ans, ou 21 ans. La scène où je me mets le grand uniforme, c'est quand même un truc. D'abord, je mets cette vareuse avec le col officier qui m'étrangle, comme ça, avec tous les boutons, avec le ceinturon qui me ceint la taille, avec les épaulettes qui me tirent les épaules en arrière. Et là, j'ai compris que je ne pouvais plus être comme j'étais avant. C'est marrant.
il marchait comme un Saint-Cyrien. Voilà, il y a des choses qui peuvent être inspirées. Et donc, évidemment, ce qu'a fait M. Attal, c'est imaginer un uniforme du SNU qui soit un truc informe avec un polo machin, enfin, qui permet de... Je crois qu'il faut réfléchir à ça. Pardon, je m'égare. Je m'égare. La rentrée des scientifiques parmi le gouvernement. Oui, les scientifiques. Vous y avez noté un impact. J'ai une formation, moi j'ai vu un impact. Alors sur le, oui, sur l'esprit scientifique, je n'ai pas d'avis sur la question. Sur l'Afrique, écoutez, alors je pense que l'Afrique est notre avenir. Ça c'est la première chose. Et je suis effrayé de voir le risque de désintérêt complet par vexation, par lassitude, par des Français pour l'Afrique. Je rappelle que ce continent, ce sera 40% ou 50% de la population mondiale à la fin du siècle. Que j'entendais l'autre jour, j'écoutais Esprit Public et je ne sais qui se foutait de la gueule de madame, enfin c'est pas grave, se moquait du ministre qui a dit le Sénégal c'est notre profondeur stratégique. Bon. L'Afrique, c'est la profondeur stratégique des Européens, qu'ils le veuillent ou non. On ne peut pas se désintéresser de l'Afrique. On ne peut pas laisser de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui va être 50% de la population mondiale dans 100 ans, en les laissant s'enfoncer dans une pauvreté, dans une situation de chaos, de guerre civile, de dictature, d'effondrement économique, sans rien faire, quoi. C'est effroyable. Donc que les Français ou que l'Occident soient vexés ou blessés parce qu'il a le sentiment d'être accusé à tort, parce qu'il a le sentiment que... Ça, je le comprends. Mais en tout état de cause, on a un vrai devoir, qui n'est pas que le devoir de la France, qui est le devoir des Européens, de se préoccuper de l'Afrique. Moi, j'ai eu énormément de mal à faire comprendre ça aux Européens. Et je me suis battu pour cela, quand j'étais chef d'état-major des armées. À chacune des réunions du comité militaire de l'Union Européenne, chaque fois que j'ai vu M. Borrell, j'ai insisté sur ce sujet-là. Le problème, c'est que les Européens ne s'y intéressent pas, éventuellement quelques pays du Sud, parce qu'ils sont inquiets des enjeux migratoires, mais que pour le reste, ils s'en moquent complètement. Or, nous avions intérêt à le faire parce que les Américains considèrent que c'est notre problème. Et que pour les Américains, c'est les Européens qui doivent intervenir là-bas, ils n'y mettront pas le pied, et sauf si un jour ils découvrent qu'il y a des ressources comme les Russes l'ont découvert ou comme les Chinois le découvrent, mais autrement, ça ne les intéresse pas. Ils considèrent que c'est aux Européens de le faire, et que c'est aux Européens de le faire, d'ailleurs, plutôt entraîné par la France, qui avait un savoir-faire, une compétence et une connaissance de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique de l'Ouest, importante. Moi, je ne peux pas m'expliquer, pourquoi ça se passe aussi mal, sauf à considérer que nous n'avons pas su faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire gérer la crise du Mali, la crise du Burkina Faso, demain du Niger, de tous ces États qui sont bientôt tous les États de la rive nord du Golfe de Guinée, de façon globale. Ce que l'Europe devrait faire et ce que la France devrait organiser. Parce que l'Europe a une capacité à voir les choses de façon globale. C'est-à-dire en faisant à la fois de l'appui à la gouvernance, de l'appui au développement, de la restauration de l'État, et en même temps, une action militaire, parce qu'on ne peut pas ne pas agir pour garantir précisément le retour de ces administrations, le retour de la justice, le retour des écoles, le retour des hôpitaux dans toutes ces régions d'Afrique. On a échoué à le faire, les militaires ont fait ce qu'ils pouvaient faire, pas plus haut que la sandale, ils l'ont fait avec toute la meilleure énergie du monde. Là aussi on m'a reproché, le fait que j'ai dit on est allé là-bas avec l'esprit de Lyautey et l'esprit de Gallieni, mais oui, c'est-à-dire qu'on est allé là-bas comme le faisaient les colonisateurs, non pas pour recoloniser l'Afrique, mais parce qu'à l'époque, les officiers qui allaient là-bas étaient tout autant administrateurs que soldats, voilà, et qui se préoccupaient de développer des pays entiers. Voilà. Ça, on n'a pas su le faire, je pense que ça explique l'échec auquel nous sommes confrontés, mais je pense qu'il faut que nous continuions à intervenir. Et par ailleurs, on a affaire, on se bat avec une main liée dans le dos, quoi. Face à des putschistes sans foi ni loi,
qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez rappeler le droit, vous pouvez rappeler l'injonction démocratique, vous pouvez rappeler ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas vous substituer aux gens pour renverser le colonel Goïta. Bon. Et donc vous avez des putschistes sans foi ni loi, vous avez des juntes militaires qui s'instaurent absolument partout. C'est difficile de faire les choses à leur place. Voilà. Et donc ça provoque aussi, soit parce que c'est la vision de l'incapacité dans laquelle nous avons été à restaurer ces États, et par ailleurs parce que il y a l'entretien d'une haine de la France qui sert ces juntes militaires et ces putschistes, qui explique le point de vue aujourd'hui des Africains sur la France en particulier, sur l'Occident en général. Je pense qu'il faut, c'est tragique, et que nous ne devons surtout pas baisser les bras, surtout pas. Voilà. Et je crains que nous le fassions. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de l'Afrique. C'est impossible. Ce serait une folie. J'en profite pour une dernière question, mais très rapidement. Question un peu personnelle. Je sais que vous êtes venu visiteur de prison, je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons qui vous ont amené à devenir visiteur de prison? Je crois qu'il y a un évangile de Matthieu dans lequel le Christ raconte le jugement dernier. Et il dit, j'étais nu, vous m'avez donné de quoi m'habiller, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais en prison et vous m'avez visité. Ah. Et ils disent, mais on ne t'a pas connu, on ne t'a jamais rencontré, on n'a jamais fait ça pour toi. Il dit, oui, mais ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et moi, c'est une lecture qui m'a marqué il y a 20 ans. Je me suis dit, le jour où je serai libre de mon temps, je m'engagerai dans cette action-là. Voilà. Alors ce qui me surprend le plus, d'ailleurs, c'est de voir les réactions de certaines personnes qui disent, mais ils sont en taule, ils l'ont bien mérité, etc. Enfin, c'est pas le sujet, quoi. C'est effrayant. Je parlais tout à l'heure de la reconversion des soldats. Un soldat rentre dans l'armée, on le forme pendant un an. En général, il fait 5 ans de contrat, ça peut être plus long. Hein. Et puis pour ceux qui ne passent pas sous officier ou peuvent rester un peu plus longtemps, mais ensuite ils se reconvertissent en moyenne à 6 ans, 7 ans d'ancienneté. Donc d'emblée, dans le projet de recrutement d'un soldat, il y a sa reconversion. Tout de suite. Et un an avant qu'il termine, on pense à ça. Je ne comprends pas que l'administration pénitentiaire n'ait pas cette obsession-là. Un homme qui rentre en prison, une femme qui rentre en prison, on doit se préoccuper de ce qu'on en fera dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, quand il sortira. C'est la priorité absolue. Voilà, donc je ne dis pas que ce sont que des gentils, qu'ils n'ont fait que des choses gentilles, mais c'est une aberration. Écoutez, un grand merci pour votre intervention.